بسم السلام الواحد المهيمن المستعان ذي الجلال المؤمن أحمده مسبحا مستغفرا من كل ذنب تائبا معتذرا ثم الصلاة والسلام ما جرى نهر على نبينا خير الورى وآله وصحبه الأطهار الفاتحين القادة الأخيار وبعد فالعلم أجل مطلبي به ينال المرء أعلى الرتب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وجامع الناس لميقات يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، mes très chers frères, nous nous excusons pour le chamboulement du programme. Je pense qu'avec nous, vous avez l'habitude. C'est très rare qu'on arrive à être fidèle au programme annoncé. Très généralement, c'est ma faute. Donc, j'en assume toutes les conséquences. Vous ne pourrez rien faire de toute façon, mais c'est histoire de faire preuve de politesse. Mes frères, on va discuter ensemble ce soir, on va parler ensemble ce soir d'un sujet très important, d'un sujet qui est censé tenir à cœur n'importe lequel des croyants, c'est le Coran. Et très souvent, on parle du Coran de nombreuses façons différentes. Là, on va, après-demain, inshallah ta'ala, ou bien avant, ou bien après, ala kulli hal, on va rentrer dans le mois du Ramadan. Et le mois du Ramadan est communément appelé comme étant le mois du Coran. Et comme vous avez pu le constater, le sujet, le titre de notre conférence aujourd'hui, ce soir, c'est « Ihfazul Coran ». Apprenez le Coran. Donc ce cours va porter sur l'importance de l'apprentissage du Coran. Les raisons qui m'ont poussé à aborder ce sujet sont nombreuses et variées. Parmi elles, vous savez, grâce à Allah Ta'ala, durant ces dernières années, j'ai eu l'occasion de pas mal voyager en France. J'ai pu visiter énormément de musulmans dans différentes mosquées, dans différentes villes de France, qu'elles soient connues ou non, chez la plupart, un peu partout, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Et j'ai eu l'occasion de nombreuses fois de me retrouver dans des assises, dans des mosquées, où j'avais avec moi des musulmans dans la mosquée qui assistaient au cours. Des fois, il m'arrive d'interroger les participants sur un verset du Coran. Des fois, il m'arrive d'avoir un trou de mémoire et de demander un peu d'aide à mes chers frères qui se trouvent présents au moment même. Et je constate que très peu de frères, très peu de musulmans connaissent le Coran. Très très peu. Des fois, tu lances un verset comme ça pour savoir si le verset il est connu ou non, et tu te rends compte qu'il ne l'est pas. Après, vous pourrez me dire, oui, mais le Coran, il est quand même assez grand, il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup de sourates. Je dirais, c'est vrai. Mais des fois, des sourates quand même, des sourates courtes qu'on appelle Qisar, As-Suwar, à la fin du Coran, on trouve des gens qui ne les connaissent pas. Même des fois, il m'arrive, lorsque je fais l'imam, de présider la prière et de lire le Coran avec une lecture que les gens n'ont pas l'habitude de lire, d'écouter. Comme par exemple « As-Sousi an Abi Amr ». C'est une lecture du Coran, comme « Hafs an Asim » ou bien « Warsh an Nafi'a ». Et bien même quand tu lis les sourates de la fin du Coran,
les gens ne se rendent même pas compte de la différence. Pourtant, des fois, elles sont quand même assez frappantes. Un exemple dans Surat Al-Fajr, quand Allah Ta'ala il dit dans la lecture que tout le monde connaît, Hafs, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Dans cette lecture, ça fait فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. C'est pas pareil quand même. Donc toujours je m'attends à ce qu'un frère vienne me voir à la fin de la prière et me dit, Akhi, t'as lu en quelle lecture? Et des fois, on ne fait pas la remarque. Aussi, bon, je vous passe les différentes fois où j'ai pu constater ces choses-là. Aussi, il y a un athar qui a attiré mon attention. Je voulais vous le lire. Donc, قَالَ بَعْدُ السَّلَفِ لِأَحَدِيثُ اللَّهِ بِهِ. Donc, un savant parmi les plus prédécesseurs, il a dit à un de ses élèves, أَتَحْفَظُ الْقُرْآنِ. Est-ce que tu connais le Coran? قال لا. Il a dit non. فقال مؤمن لا يحفظ القرآن فكيف يتنعم وكيف يترنم وبما يناجي ربه. Il a dit, un croyant qui connaît pas le Coran, comment peut-il alors se réjouir? Comment peut-il alors réciter le Coran? Je ne dis pas psalmodier parce que psalmodier est un terme à bannir en vrai de notre vocabulaire. Parce que psalmodier, quand tu regardes dans le dictionnaire, c'est chanter des psaumes. Et les psaumes, ce sont des chants religieux chrétiens. Donc psalmodier, le Coran, ce sont deux mots qui ne vont pas ensemble. Donc on va dire réciter le Coran ou bien rester dans التَّرَنُّمْ وَالتَّرْتِيلْ. Et à la fin, il dit وَبِمَا يُنَاجِي رَبَّهُ. Quand il sera dans une intimité avec son Seigneur, avec quoi il va s'adresser à lui s'il ne connaît pas le Coran? Vous savez, aujourd'hui, on est tous touchés par un énorme fléau. Il s'appelle التَّرْكِيزُ عَلَى الْمَظَاهِرِ. Il s'appelle accorder énormément d'importance aux apparences. On est tous là à faire attention à avoir une belle barbe, un beau kamis qui soit à la bonne hauteur au-dessus des chevilles. On est tous là avant de commencer à faire les rangs, à faire attention à ce que nos pieds collent bien ceux de nos voisins à droite et à gauche, qui sont des choses bien entendu légiférées et auxquelles on se doit de faire attention. On n'est pas en train de dire que ces choses-là n'ont pas d'importance. Ne l'avez pas compris ce que je n'ai pas dit. Cependant, si seulement on accordait autant de précision et d'importance à cette moudra, comme le prophète l'appelle, alayhi salatu wassalam, ce morceau de chair, il dit inna fil jasadi mudra, il y a dans le corps un morceau de chair, idha salahat salaha al-amal kullu al-jasad kullu, lorsque ce morceau de chair il est bon, le corps entier il est bon, wa idha fasadat fasada al-jasad kullu, et lorsqu'il est mauvais, le corps entier il est mauvais, ala wa hiya mada al-qalb. Certes, il s'agit du cœur. Si on donnait autant d'importance à nos cœurs qu'on en donne à notre apparence, qu'on nous donne à certains points auxquels on accorde énormément de précision, peut-être que les choses iraient mieux. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كتاب الله لما شبعت من كتاب الله. عثمان رضي الله عنه il disait, si nos cœurs étaient purs, il ne se serait jamais rassasié du livre d'Allah. Il ne se serait jamais rassasié du livre d'Allah. Et ici, on aimerait bien que chacun il fasse un auto-bilan. Il se pose des questions à lui-même. Quelle est sa relation avec le Coran? Combien de temps il lui accorde par jour? Combien de temps est-ce qu'il le récite? Combien de temps est-ce qu'il le révise? Qu'est-ce qu'il en apprend tous les jours? Est-ce qu'il cherche à comprendre le sens du Coran? Est-ce qu'il lui accorde du temps pour
la réflexion, la méditation. Et les questions, elles sont encore nombreuses. Donc il est aussi une raison qui m'a poussé à aborder ce sujet. Tous les ans, avant le Ramadan, je suis contacté par énormément de mosquées qui me demandent si je peux faire Tarawih chez eux. Quand je leur dis que je ne peux pas parce que je suis déjà pris ailleurs, ils me demandent de leur envoyer quelqu'un. Et c'est là que j'ai le droit à un long silence. Je leur dis, il n'y a personne. Vous savez qu'il y a des mosquées dans toute la France, dans le sud, à l'est, à l'ouest, qui demandent. Je dis, mais tous les jeunes qu'on voit tout le temps avec vous dans vos séminaires, dans vos classes, dans vos écoles et tout ça, là, il n'y en a aucun qui peut venir faire les mêmes chez nous ? Il n'y en a pas. Tous les ans. Tous les ans. Pourtant, les années, elles se suivent et elles se suivent et on voit les mêmes têtes dans nos écoles, dans nos conférences, dans les mosquées où on peut se rendre. Et pourtant, on n'apprend toujours pas que les gens apprennent le Coran. On ne va pas non plus dire que tout est noir. Alhamdulillah, il reste quelques traces d'espoir. En tout cas, certains frères, bien sûr, on ne les nommera pas, même si ça me brûle les lèvres. Parce qu'il y en a certains dans cette salle qui nous prouvent, alhamdulillah, qu'on n'a pas à désespérer. Des gens qui sont attentifs à apprendre le Coran et qui ils passent énormément de temps dans leur journée à le faire. Qu'Allah leur facilite. Mais malheureusement, il reste une minorité. Vous savez, à titre d'exemple, dans cette école ici, au Palmier, on a une matière, Tahfidh al-Qur'an, qui consiste à enseigner le Qur'an aux gens. Vous savez que chez les hommes, généralement, on a à peu près une dizaine d'élèves dans l'année. Et très souvent, on se retrouve à la fin de l'année avec 5 personnes. On perd la moitié très souvent des effectifs. Et là, par contre, je me permettrai de faire pour une fois des compliments pour nos chères sœurs, parce qu'on me reproche d'être avare en compliments envers les sœurs, donc je vais prendre les devants. C'est vrai, nos chères sœurs, à ce niveau-là, nous ont battus à plat de couture. Alhamdoulilah, il y a énormément de femmes qui s'inscrivent au cours de Coran, et ça porte ses fruits. On a beaucoup de femmes ici à l'école qui ont appris le Coran entièrement. Tu m'as tiré un poil de la barbe. Et ouais, on a énormément de sœurs, alhamdulillah, qui ont appris le Coran entièrement. Et qui même ont obtenu des attestations et qui sont devenues à leur tour des professeurs. C'est ça le principe, comme on va le voir tout de suite. C'est de l'apprendre pour l'enseigner, pour en faire profiter les autres. Mais chez les hommes, par contre, et si ce n'était l'interdiction qui repose sur le fait d'humilier son frère ou de le mettre mal à l'aise dans une assise, sans aucune hésitation, j'aurais pu en désigner un parmi vous, lui dire de se lever et de me réciter le Fatiha. Alors c'est lui et son qadar. S'il a bien appris le Fatiha, il la récite sans aucun problème et tout va bien. Mais la plupart, malheureusement, quand ils récitent la Fatiha, c'est un festival. Si ce n'est pas une faute par verset, c'est bien. Donc il y a un gros problème avec le Coran. Il y a un énorme problème avec le Coran. Et j'aimerais bien qu'on refasse le point sur ça. Peut-être qu'en sortant de ce cours aujourd'hui, on va voir les choses différemment. Donc la meilleure façon d'encourager les musulmans à apprendre le Coran, c'est de leur rappeler tous les bienfaits qui résident dans cela. Tous les textes qui ont été rapportés et qui nous informent des innombrables récompenses, des inestimables cadeaux qu'Allah t'offre lorsque tu apprends sa parole. Lorsque tu fais de ta poitrine un récipient qui va conserver sa parole. D'ailleurs, Allah dans le Coran, il dit: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Il parle du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce sont des signes évidents.
Ayat, on le traduira soit par le mot signe, soit par les versets. Donc quand ça fait référence aux créatures, on dira les signes. Quand ça fait référence au Coran, on dira les versets. Donc ce sont des versets clairs. Bal huwa ayatun bayyinat. Où est-ce qu'ils sont ces versets ? Fi suduri alladhina utul ilm. Dans les poitrines de ceux à qui on a donné la science. Le Coran, tu le renfermes en toi. Tu es comme une boîte dans laquelle on conserve le Coran. Et c'est le meilleur moyen de le conserver. C'est d'ailleurs une des principales causes par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a préservé le Coran. Le fait qu'il se transmette de bouche à oreille et qu'il se conserve dans la poitrine des gens. Depuis toujours, le Coran, il est enseigné verbalement. Et c'est peut-être à cause de ça qu'aujourd'hui, il y a énormément d'erreurs dans la lecture du Coran parce que les gens, ils apprennent chez eux tout seuls. Ils apprennent, ils achètent le petit livre là, le vert là, Juz Amma, et ils apprennent le Coran dessus tout seul en phonétique. Quand ils viennent voir, ils te disent « Amma yatasahaloun ». Je dis « Il n'y a pas Amma, c'est Amma ». Pourquoi tu lis « Ouais, Marie, j'apprends, je ne sais pas lire l'arabe, j'apprends en phonétique, j'apprends tout seul chez moi ». Là, c'est une énorme erreur de faire ça. Ce n'est pas comme ça qu'on apprend le Coran. Le Coran, on doit l'entendre et le répéter. On ne doit pas le lire tout seul dans un coin. Taïb. Allah a dit dans le Coran, « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. » C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui le préservons, qui le conservons. Et jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, Allah Ta'ala, il tiendra cette promesse. Et la principale cause, comme je vous l'ai dit, c'est le fait que le Coran il soit appris dans la poitrine des gens et conservé. « Bal huwa ayatun bayyinat fi suduri alladhina utul ilm. » Si quelqu'un demain il te ramène un faux Coran et qu'il se met à le lire aux gens, ben il ne pourra pas passer parce que les gens ils l'ont appris, ils le connaissent et sont tous d'accord pour dire que ce n'est pas ça la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Le prophète dit alayhi salatu wassalam, le hadith ma'ruf, رواه البخاري وغيره عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. N'est-ce pas l'objectif de tout être humain d'être le meilleur? Quand tu vois des fois les efforts que les gens y fournissent pour être le meilleur dans une matière scolaire ou bien dans une un sport ou je ne sais quoi d'autre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être le meilleur dans ces choses-là. Et même si tu manques de motivation et que tu te dis, moi, ça ne m'intéresse pas d'être le meilleur, disons d'accord. Si demain, on te donne l'opportunité d'être le meilleur dans quelque chose, tu vas refuser? Personne n'y refusera. Tout le monde, il acceptera et il voudra être le meilleur dans quelque chose. Là, tu seras le meilleur parmi les musulmans. Khayrukum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux musulmans. Il leur dit, le meilleur parmi vous, c'est celui qui apprend le Coran, premièrement. Mais ça ne s'arrête pas là. Le meilleur parmi nous, c'est celui qui apprend le Coran, qui fait l'effort pour le mémoriser et qui l'enseigne, qui fait l'effort pour l'enseigner. Et n'allez pas croire que ce genre d'actions-là n'ont pas de valeur. Oula wallah. Il y a des frères, des fois, ils sont comme ça, ils prennent des cours. Ils se disent quoi, moi aussi j'aimerais bien faire des khutbas, j'aimerais bien faire des doros, j'aimerais bien faire des choses de ce genre-là. Alors que voilà, s'asseoir dans une mosquée, avoir autour de soi des élèves, leur faire répéter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur apprendre la fatiha quand ils se convertissent à l'islam ou bien quand ils apprennent la prière ou autre, ça a une valeur inestimable. Qala al-Sam'ani rahimahullah ru'iya أبو منصور الخياطي بعد موته فقال فقيل له ماذا فعل الله بك فقال غفر لي فقيل له بما غفر لك
فقال غفر لي بتعليم الصبيان الفاتحة. On avait eu un homme parmi les plus prédécesseurs qui s'appelle Abu Mansour Al-Khayyat. Après sa mort, on l'a vu en rêve. Et très souvent, les salafs, ils rapportaient ce genre d'histoire-là. Lorsque quelqu'un parmi eux, il mourait, un pieux, très souvent après sa mort, pas très longtemps après, on le voyait en rêve. Des gens qui le connaissaient, ils le voyaient dans leur rêve. La première des choses qu'ils lui posaient comme question, et il rêvait, il dormait, hein, comme quoi ils sont toujours assidus et soucieux de savoir qu'est-ce qui est utile pour les gens. Et ça, ce genre de choses, il revient très souvent dans les textes. Qu'est-ce qu'Allah il a fait de toi ? Ils disent quoi ? Il m'a fait honneur et m'a pardonné. Premièrement. Deuxièmement, à cause de quoi il t'a pardonné ? Dis-nous, comme ça on va en profiter. Il a dit, il m'a pardonné parce que j'ai appris aux enfants la Fatiha. Est-ce qu'on va se dire que lui, il faisait rien d'autre que ça ? Il devait sûrement faire des aumônes, des prières, des pèlerinages, plein de choses. Mais des fois, Allah Ta'ala, il va choisir dans tout ce que tu fais une action que tu as fait mieux que les autres ou bien dans laquelle ton intention était plus pure que dans les autres. Et c'est par cette action-là qu'il va t'élever et te pardonner. Et si je te ramène 10 enfants là, je veux dire, après, apprends-leur la Fatiha, nous pendant ce temps, on va aller faire, je ne sais pas, une Umrah. Billah Alek, tu veux dire quoi ? Non, c'est moi, je reste avec eux, je ne pars pas avec vous. On va tous dire, ah non, non, moi, je vais faire une Umrah moi aussi. Parce que dans ta tête, forcément, la Umrah, elle est meilleure qu'apprendre la Fatiha à des enfants. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, c'est vrai, il y a des textes qui nous disent que la récompense de telle action elle est équivalente à telle chose, il n'y a pas de problème. Mais en fonction de la pureté de l'intention que tu auras lorsque tu accompliras l'action, eh bien Allah, elle aura une valeur différente. Tu pourras faire raka'atayn toi chez toi avec une intention particulière qui vaudra peut-être une umrah que je vais accomplir moi avec une intention fatiguée. Tu sais pas. C'est pour ça que le prophète il a dit alayhi wassalam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walaw an talqa akhaka biwajhin taliq. Ne dénigre rien du bien, rien, tout ce qui est du bien ne le dénigre pas. Ne te dis pas oh ça sert à rien ça. Ne serait-ce que rencontrer ton frère avec un visage radieux. Ibn Majah il rapporte d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le prophète dit alayhi salatu wassalam inna lillahi ahlina minan nas qila man hum ya rasul allah qala hum ahlul qur'an hum ahlullah wa khassatuh. Le prophète dit alayhi salatu wassalam certes Allah possède des partisans parmi les gens, des préférés, des proches si tu veux. On lui dit qui sont-ils ô messager d'Allah? Il a répondu ce sont les proches du Coran, les partisans du Coran. Ce sont les partisans d'Allah, les proches d'Allah, les préférés d'Allah et son élite, l'élite parmi les gens. Si tu veux faire partie des proches d'Allah Azza wa Jal, de ses préférés, regarde le lien que tu as avec le Coran. Plus ce lien-là il sera fort et plus bidnillah ta'ala tu pourras faire partie de ce groupe de privilégiés. Et pour se savoir qui est, quelles sont les conditions pour être admis dans ce cercle restreint, très restreint, on a fait une petite annotation concernant ce hadith dans le numéro de l'Waraqa qu'on a distribué. Vous le trouverez à l'entrée du centre. L'imam Muslim rahimahullah il rapporte d'après Uqbah ibn Amir al-Juhni ou al-Juhani radiyallahu anhu anna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam qala ayyukum yuhibbu an yaghdu ila batthana aw al-aqiq fayati kulla yawmin binaqatayn kawmawayn zahrawayn ya'khudhuhuma fi ghayri ithmin wa la qati'ati rahim qalu kulluna ya Rasul Allah yuhibbu dhalik. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير من ناقتين وثلاث من ثلاث خير وأربع خير من عدادهن من الإبل.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était avec ses compagnons, leur a dit: qui parmi vous aimerait se rendre à Batthan ou à Al-Aqiq, qui sont des noms de vallées connues là-bas, et qui vient tous les jours avec deux chamelles grasses et belles, sans pour autant avoir dû désobéir à Allah ou avoir dû rompre les liens de parenté. Donc imagine, il existe une vallée dans laquelle il y a plein de chameaux, parmi les meilleurs, les plus chers, les plus raffinés. Je dis, qui parmi vous aimerait aller à se rendre dans cette vallée-là et pouvoir revenir tous les jours avec deux chamelles sans devoir désobéir à Allah ou rompre ses liens de parenté? Qui aimerait ça parmi vous? Si tu veux, on va faire une transposition, contemporaine. Imagine, je te dis, je sais pas moi, sur la A1, après l'aéroport de Roissy, il y a un terrain vague où il y a que des BMW remplis de lingots d'or. Et chaque jour, tu peux aller là-bas et tu peux en ramener deux. Qui aimerait-vous parmi vous pouvoir revenir avec deux de ces choses-là sans devoir désobéir à Allah ou rompre les liens de parenté? Ça te parle plus, là, hein? Non, même pas. Les frères, vous m'en demandez trop. À la kulli hal, les compagnons ont dit: Rasoulallah, on aimerait tous pouvoir partir là-bas et revenir avec deux chamelles comme tu les as décrites. Il a dit alors, alayhi salatu wassalam, que l'un d'entre vous se rende à la mosquée et qu'il y apprenne deux versets, c'est meilleur pour lui que de partir à tel endroit et revenir avec deux chamelles. Et s'il apprend trois versets, c'est meilleur pour lui que de ramener trois chamelles. Et quatre versets, quatre chamelles, et ainsi de suite, en fonction du nombre de versets et donc du nombre de chamelles. Ouais, ça, tous ces hadiths-là, on les comprend, on arrive plus ou moins à les visualiser, mais d'un point de vue concret, ils n'ont pas réellement d'impact en nous. Vous savez pourquoi? Parce que ça reste malgré tout abstrait, ce n'est pas quelque chose de palpable. C'est pour ça qu'on dit ce bas monde, c'est l'étape où on agit, on touche pas à son salaire. Et dans l'au-delà, on ne travaille plus, mais on touche le salaire. Et c'est là, quand tu verras le salaire de tes yeux, tu diras: punaise, pourquoi je n'ai pas fait plus encore? Donc là, on comprend que les choses les plus qui ont le plus de valeur auprès des Arabes de l'époque ne valent pas quelques versets du Coran. L'imam Muslim rapporte, rahimahullah, d'après Amir ibn Wathila, anna Nafi' ibn Abd al-Harith kharaja yastaqbilu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu falaqiyahu bi'asafan faqala lahu Umar man istakhlafta ala ahli Makkah. قال استخلفت عليهم ابن أبزا قال عمر ومن ابن أبزا قال مولى من موالينا قال عمر فاستخلفت عليهم مولا فقال يا أمير المؤمنين رجل قارئ للقرآن عالم بالفرائض قاض فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِالْقُرْآنِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ آخَرِينَ. Donc Amr ibn Wathila rapporte que Nafi' ibn Abd al-Harith, il est sorti de Mecca. C'était le gouverneur de Mecca, de la Mecque. Il est sorti à la pour rejoindre Omar qui se dirigeait vers la Mecque. Donc lorsqu'il l'a retrouvé en chemin, Omar lui dit: t'as laissé qui à ta place à Mecca, toi, pour gouverner pendant ton absence? Il a dit: un homme qui s'appelle Ibn Abza. Omar dit: c'est qui lui, Ibn Abza? Il dit: c'est un de nos esclaves. Mecca, c'est qui va à Mecca, les frères? Tarvouche? Comment? C'est qui vient à Mecca? Quraysh. Quraysh, c'est Ashraf al-Arab. Ce sont les Arabes les plus nobles chez les Arabes. Omar dit: quoi? T'as laissé à Mecca à leur tête, la tête de Quraysh, un esclave? Qu'est-ce qui t'a pris? Alors, Nafi' lui répond: ô commandeur des croyants, c'est un homme qui a appris le Coran et qui connaît la science de l'héritage. Et c'est un juge qui sait juger et trancher entre les gens.
Alors Omar, il dit, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah Ta'ala, il élève par ce livre des gens et il en rabaisse d'autres. Par le Coran, Allah Ta'ala, il a mis les esclaves au-dessus des nobles. Par le Coran, Allah Ta'ala, il a mis certaines femmes au-dessus de beaucoup d'hommes. Par le Coran, Allah, il a mis des enfants au-dessus des adultes. Comme le compagnon qui n'avait que 6-7 ans et qui apprenait le Coran chaque fois que des compagnons venaient dans sa tribu, il les accompagnait jusqu'à la sortie de la ville et il lui récitait du Coran. Et à la fin, c'était lui qui connaissait le plus de Coran dans toute sa tribu. Et quand le prophète leur a dit que c'est celui qui connaissait le plus de Coran qui devait être l'imam, c'était lui l'imam, alors qu'il avait que 7 ans. Le Coran, il élève. Allah Ta'ala, il élève par le Coran les gens. Et aussi les rabaisse. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. Le prophète dit, alayhi wa sallam, l'exemple de celui qui lit le Coran en le mémorisant, en le connaissant par cœur, c'est comme les anges scribes, ceux qui inscrivent les actions, nobles et vertueux. Il est comme eux. Celui qui lit le Coran avec facilité et aisance de sa mémoire, il est comme les anges scribes, nobles et vertueux. Et celui qui lit le Coran dans le mashaf et il fait attention à ce qu'il lit, donc il revient à sa lecture et il a du mal, lui il a deux récompenses. Il a deux récompenses, une pour l'effort qu'il fournit suite à la difficulté et une pour la lecture. Mais sans aucun doute, le premier il est meilleur que le second. Donc celui qui lit le Coran avec aisance et facilité, le prophète l'a comparé aux anges nobles et vertueux qui sont chargés d'inscrire les actions des fils d'Adam. وروى مسلم عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامه بالقران واهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سوره البقره وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. Pourquoi dit alayhi wa sallam que le jour du jugement, Allah Ta'ala, il fera venir le Coran et ses partisans, ceux qui l'ont mis en pratique ici-bas. Et à la tête de ce groupe-là, il y aura Surat al-Baqarah et Surat al-Imran. Allah Tabaraka wa Ta'ala les matérialisera, leur donnera une forme. Et chacune de ces deux surat-là viendra dans le but d'intercéder en faveur de celui qui les a appris, de celui qui les récité. At-Tirmidhi yarwi an Abi Hurayra radiyallahu anhu anna an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala yaji'u al-Qur'anu yawm al-qiyamati fayaqul ya Rabbi hallih fayulbasu taj al-karama thumma yaqul ya Rabbi zidhu fayulbasu hullat al-karama thumma yaqul ya Rabbi ارضى عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ وارق وتزاد وتزاد بكل آية حسنة. Quand il dit عليه السلام, le jour du jugement, le Coran il viendra, il dira oh mon Seigneur, donne lui une parure. Il s'adresse à celui qui l'a appris. Il m'enlève des trucs, il m'en remet. Khair, inshallah. Donc le Coran, il s'adressera à Allah subhanahu wa ta'ala et lui dira « Oh mon Seigneur, orne-le !» Il parle de celui qui l'a appris. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui fera porter une couronne, la couronne de l'honneur. Alors le Coran, il dira « Ya Allah, rajoute-lui !» Alors Allah, il lui fera porter deux tuniques. Les tuniques, on appelle ça « hullatul karam »,
de l'honneur, qui ont pour but de montrer que cette personne-là n'est pas comme les autres. Alors le Coran dira, « Ya Rabbi, sois satisfait de lui. » Alors Allah sera satisfait de lui. Et enfin, on dira à cette personne-là, « Lis et élève-toi. » Et pour chaque verset que tu liras, on te rajoutera une bonne action. C'est pas fini. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه هل تعرفني أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ هواجرك وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر فيعطى الملك بيمينه فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها فيقولان يا ربي أنى لنا هذا فيقال لهما بتعليم ولدكما القرآن. C'est une version du hadith précédent, une autre. Comme quoi le Coran viendra le jour du jugement sous la forme d'un jeune homme, d'un beau jeune homme. Il dira à son compagnon, celui qui l'a appris ici-bas, « Est-ce que tu me connais ?» Il dira « Non. » Il dit « C'est moi qui t'ai fait veiller la nuit. C'est moi qui t'ai fait avoir soif le jour. » Il lui dit « Chaque commerçant se trouve derrière son commerce. À attendre-les. » Les bénéfices. Eh bien, aujourd'hui, je suis pour toi, moi, pour le commerce que tu as fait ici-bas. Et à ce moment-là, on lui donnera dans sa main droite la royauté et dans sa main gauche l'immortalité. Donc le lecteur du Coran, celui qui l'a appris. Et on posera sur sa tête la couronne du respect, Taj al-Waqar. C'est une couronne qui inspire le respect. Tout comme toi, tu verrais un roi, enfin, je ne sais pas si tu verrais un roi, ça te ferait quelque chose, mais à la Kulihal à l'époque, c'est vrai, parce que nous, aujourd'hui, on a été pervertis. Notre innocence, notre naïveté, elle a été pervertie par tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout le temps, partout, à la télé ou ailleurs. T'as pas marqué, chaque fois, quelqu'un va te dire, aujourd'hui, on a vu un nuage qui ressemblait à un verset du Coran, on dit, ah, c'est pas vrai, c'est du mensonge, ça. N'importe quelle information qu'on va t'apporter, qui sort un peu de l'ordinaire, directement, on va pas y croire. Ou bien, quand il se passe quelque chose de particulier, ça te fait rien, ni chaud ni froid. Si demain, par exemple, la reine d'Angleterre, bon, c'est pas une vraie reine, on est d'accord, ou bien le roi d'Espagne, demain, il sort avec sa couronne, à la limite, tu vas te moquer de lui, toi, dire, c'est quoi ce rigolo, là? Mais à l'époque, dans les vraies monarchies, dans les vrais royaumes, quand il y avait un vrai roi, quand il y avait des gens qui savaient qui était leur roi, quand ils le voyaient, ils ne bougeaient plus, ils ne respiraient plus, ils suaient, ils tremblaient. Mais nous, malheureusement, là, on a perdu de cette innocence. C'est comme l'éclipse. Une parenthèse à la Soufiane, comme d'habitude. L'éclipse. L'éclipse, c'est un événement particulier dans l'islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait une éclipse, il était différent de ce qu'il était d'habitude. Il a fait une prière différente de ce qu'il faisait d'habitude. Il a fait une exhortation différente de celle qu'il faisait d'habitude. Les gens, ils avaient peur. Il y avait une ambiance, quelque chose. Toi, t'es là en train de regarder les informations, Pernaud, là, il te dit que le 24 janvier 2014, il y aura une éclipse à exactement 13h48. Vous pourrez la voir si vous vous dirigez sur la gauche. Voilà, et puis quand l'éclipse, tu sors dehors, comme ça, tu vois l'éclipse dehors. Ça, tu t'arrêtes même plus dans la rue. Tu continues de marcher, tu vas où tu veux aller. C'est vrai ou c'est pas vrai? On a perdu ces choses-là. Bref, essaye d'imaginer une couronne sur la tête de quelqu'un qui inspire le respect. Taj al-Waqar. Eh bien, on mettra à cet homme-là, à cette personne-là, cet homme ou cette femme, bien entendu, Taj al-Waqar. Mais ça ne s'arrête pas là. Et là, wallah, si c'est la seule chose qui peut te motiver à apprendre le Coran, alors écoute-la bien. Si tu aimes tes parents, si tu veux faire tout pour qu'ils soient bien, si tu veux leur offrir le meilleur des cadeaux, t'aimerais bien ici-bas leur faire plaisir, acheter une voiture à ton père, ou bien, je ne sais pas moi, une belle robe à ta mère, des beaux bijoux. Mais malheureusement, qadar Allah, tu n'as pas les moyens, tu ne roules pas sur l'or. Eh bien, dis-toi que tu as une opportunité d'offrir à tes parents des vêtements qui sont
qui valent plus que ce bas monde de ce qu'il contient. Parce que lorsqu'on te fera porter cette couronne qui inspire le respect, on fera porter à tes parents des tuniques. On leur fera porter des tuniques. Chacun leur fera porter deux tuniques. Donc un vêtement spécial. Si on les comparait, on comparait leur valeur à la valeur de ce bas monde de ce qu'il contient, ils n'arriveraient pas à leur cheville. Alors les parents qui porteront ces vêtements, ils diront « Oh Allah, pourquoi nous a fait-tu revêtir ces vêtements-là? Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir de tels vêtements ?» On leur répondra « Parce que votre enfant a appris le Coran. » Parce que votre enfant, il a appris le Coran. Allah, ya akhi, si tu veux offrir un cadeau que très peu de gens peuvent offrir à leurs parents, tu sais ce qu'il te reste à faire. روى الحاكم عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن. Donc ici c'est une autre version du hadith que vient de citer. On a dit précédemment qu'on va faire porter aux parents de celui qui apprend le Coran cette tunique-là inestimable. Dans cette version du hadith, en plus de cette tunique-là, on nous informe qu'on leur fera porter à eux aussi une couronne des rois avec des vêtements inestimables qui attireront l'attention de tout le monde et qui inspireront le respect de tout le monde. Par quoi ils ont mérité ça? Parce que leur enfant, il a appris le Coran. Et les frères, franchement, entre nous, là, il n'y a que nous, il n'y a personne là. Qui parmi nous ici a des enfants? Un certain nombre. Qui parmi nous, il rêverait que ses enfants soient hafid le Coran? Inch'Allah, vous tous, même si vous ne faites absolument aucun signe pour me le faire comprendre, mais on aimerait tous que nos enfants soient hafid le Coran. Vous savez, les enfants, ils ont une phrase qui revient très souvent à leur bouche. La phrase, c'est injuste. Je sais pas, moi, tu as un fils, il a 10 ans, tu as une fille, elle a 5 ans. Comme ton fils, il a 10 ans, qu'il est en train de grandir, tu vas faire attention à ce qu'il finisse son plat parce que son corps est en pleine croissance. Donc, s'il ne veut pas finir ses légumes, tu dis, tu finis tes légumes. Et la petite de 5 ans qui, elle, elle n'a pas trop besoin de légumes parce qu'Allah ibarak, elle n'a pas le même poids que son frère. Si elle finit par son assiette, ben, tu lui dis, c'est pas grave. Alors il va te dire quoi, le grand? Ah, c'est pas juste, pourquoi elle finit pas et moi je finis? Et nous-mêmes, je pense qu'on a tous des souvenirs en tête ici de fois où on a pensé de nos parents qu'ils étaient les plus injustes du monde. Alors que si tu regardes bien, c'était nul. Donc l'enfant, il fait attention à la justice. Il fait attention à ce que tu fais preuve d'équité entre toi, entre lui et ses frères et sœurs. Et il rate rien. Il n'y a pas un truc qui va lui passer sous le nez. Il n'y a pas une promesse que tu vas lui faire qu'il va oublier. Non, l'enfant, il retient tout. Tu vas dire à ton fils, apprends le Coran, à ta fille, viens me réciter, viens me réviser, viens kada, viens kada. Et lui, il va apprendre, il va réviser, il va réciter, mais il voudrait jouer, mais il ne peut pas faire autrement parce qu'il est bloqué dans la chambre et kada, kada. Tu t'es posé la question le jour où ton fils, il va te dire, eh, papa, tu connais combien de sœurs du Coran, toi? Tu veux dire, ce n'est pas tes affaires? Ou bien si, dis pourquoi chaque fois que je te récite le Coran, t'es obligé de prendre le Coran dans tes mains, tu me corriges pas de ta mémoire. Comment est-ce que tu peux estimer de la part de ton fils? Ou bien même toi qui connais ce hadith, mathalan, tu dis quoi? Je vais faire apprendre à mon fils le Coran, comme ça moi le jour du jugement j'aurai une belle couronne. Et pourquoi tu penses pas à tes parents comme tu penses à toi avec tes enfants? Al-Muhim, l'être humain il est égoïste, l'être humain il pense qu'à son intérêt personnel. Et l'être humain, il n'a pas de mal à vouloir imposer aux autres ce qu'il ne s'impose pas. Continuons, mes chers frères. قال روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو
ابن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. On dira au compagnon du Coran. Le compagnon, c'est celui qui est longtemps avec toi. Celui le compagnon. D'ailleurs, en français, un petit peu de littérature ne nous fera pas de mal. Même si c'est du français, on a le mot copain. On a le mot compagnon. Le mot copain, c'est celui qui s'associe avec toi, à toi, dans le fait de manger du pain. Donc il est avec toi quand tu manges du pain, c'est ton copain. Le compagnon, ça vient du pagne. Le pagne, c'est ce qui permet de te couvrir, ou bien c'est ce avec quoi tu te couvres quand tu vas dormir. Donc en gros, c'est celui qui est dans ton intimité et qui dort avec toi. Donc il est encore plus proche que le copain, le compagnon. Le seul qui a joui d'une exception au niveau du sens du mot, même en arabe, c'est pareil. As-sahib, c'est celui qui est avec toi longtemps. Et le seul qui a joui d'une exception, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Tu pouvais être son compagnon, mais c'était resté que quelques instants. Mais en dehors de lui, la règle reste la même. Tu ne peux être le compagnon de qui que ce soit ou de quoi que ce soit que quand tu es resté longtemps avec lui. On dira au compagnon du Coran, récite, plutôt lis et élève-toi et récite comme tu récitais ici-bas. Car ta place sera déterminée en fonction du dernier verset que tu réciteras. Donc imagine-toi, la terre du jour du jugement, une partie destinée au paradis, une partie destinée à l'enfer. Après que les gens aient reçu leur livre dans leurs mains, soit droite, soit gauche, après que les gens de l'enfer soient rentrés en enfer et que ceux du paradis soient rentrés au paradis, à l'entrée, on dira à Sahib al-Qur'an, toi, vas-y, lis. Il n'y aura pas un mashaf là, c'est dans la poitrine. Et élève-toi. Il va s'élever dans les degrés du paradis en fonction des versets du Qur'an qu'il récitera. Et Ibn Hajar, rahimahullah, il a déduit de ce hadith ainsi que les autres savants qu'il y a autant de degrés au paradis qu'il n'y a de versets du Qur'an. Combien de versets du Qur'an il y a ? 6632. C'est qu'il y a 6632 versets du degrés au paradis. Et ta place au paradis sera déterminée en fonction du dernier verset que tu réciteras. Et ils disent aussi les versets et la façon dont tu le récites. Waratil kama kunta turatilu fid dunya. Et récite comme tu le récitais ici-bas. Si on fait un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu ici, on a vu que le meilleur d'entre les musulmans, c'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. On a vu que celui qui vient à la mosquée pour apprendre 2 versets, 3 versets, 4 versets, il est meilleur que celui qui va chercher des chamelles les plus belles et les plus grasses, les plus chères, dans une vallée ou une autre. On a vu que le jour du jugement, celui qui a. On a vu, pardon, qu'ici-bas, Allah, il a des proches, des privilégiés. Des privilégiés. Ce sont ceux qui apprennent le Coran. On a vu que. Le jour du jugement, le Coran il intercédera en ta faveur. Et que par sa cause, Allah il sera satisfait de toi. Il fera de toi un roi. Et il fera honneur à tes parents. Et on a vu aussi que par le biais du Coran, tu occuperas les degrés les plus élevés du paradis. قال أبو أمامة رضي الله عنه احفظوا القرآن فإن الله لا يعذب بالنار قلبا وعلى القرآن. Apprenez le Coran. Abu Umama, c'est un sahabi, radiallahu anhu. Il dit, apprenez le Coran, car Allah ne châtie pas un cœur par l'enfer lorsque celui-ci a mémorisé le Coran. Normalement, là, je dis, subhanakallahumma bihamdika, je rentre chez moi. Ça suffit. Mais ces versets, ces hadiths, très souvent, on les a déjà entendus. Mais il faut rajouter des choses. Comme ça, ce sera encore plus ancré dans nos poitrines. Et Inch'Allah Ta'ala, ça nous permettra de nous motiver encore plus. Donc on a vu que celui qui apprend le Coran, il a des,
des particularités au niveau de la récompense. Tout ce qu'Allah lui promet comme récompense. On va voir les particularités qu'il a en tant qu'être vivant ici-bas, au milieu des autres. Premièrement, yuqaddamu lil-imam, sahibul Qur'an, yuqaddamu lil-imam, c'est lui qu'on met en avant pour présider les gens dans la prière. C'est lui. Kama rawa muslimun min hadithi Abi Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يَأُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ يَأُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ. Celui qui préside les gens dans la prière est celui qui récite le mieux le Coran. Les savants divergent, est-ce que ça fait référence à la mémorisation, la quantité de la mémorisation ou la façon de réciter? Certains disent l'un, certains disent l'autre, mais beaucoup de savants disent que ça fait référence à la mémorisation. Si par exemple on a deux personnes, on a un groupe de personnes et on ne sait pas qui mettre en avant pour faire l'imam, on va demander aux gens combien d'eux Qur'an ils connaissent. Et celui qui en connaîtra le plus, eh bien, ce sera lui qui devra être mis en avant afin de présider la prière. Al-Hadith lahu nihaya lakin hadha alladhi nasta'nisu bihi. Donc on le met en avant dans l'imam. ثانيا يقدم للإمارة. Lorsqu'on est amené à devoir désigner un chef, c'est celui qui connaît le Coran qui est prioritaire. Notamment lorsqu'on est amené à voyager ensemble. Ça c'est une sunna mahjoura ça. Ça c'est une tradition prophétique qui a été délaissée. Le fait de désigner un chef lorsqu'on part en groupe en voyage. Écoutez ce hadith. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن فأتى على رجل منهم من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان قال معي كذا وكذا وسورة البقرة قال أمعك سورة البقرة؟ فقال نعم قال فاذهب فأنت أميرهم فقال رجل من أشرافهم والله يا رسول الله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك. Donc Abu Huraira رضي الله عنه nous dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a envoyé un groupe en expédition. Ils étaient nombreux. Il a demandé à chacun d'entre eux combien de Coran il mémorisait. Chacun d'entre eux. Il est arrivé vers l'un d'entre eux, c'était le plus jeune de tout le groupe. Il a dit, tu connais combien de Coran toi? Et je connais telle surat et surat al-Baqarah. Il t'a dit quoi? Tu connais surat al-Baqarah toi? Il a dit, khalas, c'est toi leur amir. C'est toi le chef du groupe. Alors il y en a un qui assiste à la scène, c'était un des plus nobles du groupe. Il a dit, Ya Rasulallah, la seule chose qui m'a empêché d'apprendre surat al-Baqarah, c'est la peur de ne pas la mettre en pratique. C'est pour ça que je ne l'ai pas apprise. Ça, c'est l'excuse que beaucoup d'entre nous, on sort tous les jours. Là. Ouais, moi, je n'apprends pas le Coran, t'as vu, je sais que c'est important, c'est celui qui ne l'apprend pas, il apprend, il ne le met pas en pratique, C'est ça. Alors, le prophète a répondu, alayhi salatu wassalam, quand je dis c'est ça, c'est des vrais arguments, mais dans ta bouche, c'est faux. Toi, tu veux pas, c'est tout. Ou bien tu as la flemme, ou bien tu cherches des excuses. Sois véridique avec toi-même, Yark. Ça sert à rien de mentir aux gens, ça sert à rien. Mens-moi à moi, mens aux gens, c'est pas grave. Allah sait ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu es sincère ou si tu es un menteur. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, wala ya'lamanna al-kadhibin. Ça sert à quoi de mentir? Ça sert à rien de mentir. Celui qui sait qu'Allah il sait ce qu'il y a dans son cœur, pourquoi il ment?
Pourquoi il veut plaire aux autres? Pourquoi il veut dire aux autres des choses qui feront qu'ils l'aimeront plus ou qu'ils le respecteront plus ou bien qu'ils ne lui chercheront pas de problème? Ça sert à quoi? C'est pas eux qui vont ouvrir les portes du paradis, c'est pas eux. C'est pas eux qui vont éteindre l'enfer si jamais tu dois y aller. C'est pas eux non plus. Alors le prêtre leur a dit, alayhi wasallam, apprenez le Coran. Cessez de vous cacher derrière ce genre d'excuses. Et lisez-le. Car l'exemple de celui qui apprend le Coran et qui le lit et le met en pratique est comme un sac, un récipient rempli de musc, le parfum. Et se dégage de ce récipient-là une odeur magnifique et qui se répand partout. Elle se répand partout. Et l'exemple de celui qui apprend le Coran, qui dort, comme moi, alors qu'il a dans sa poitrine, il est comme un récipient plein de musc qu'on a fermé. Tu vois la différence ? Il est comme un récipient plein de musc qu'on a fermé. Le premier, c'est un récipient plein de musc ouvert, dont l'odeur se sort, se dégage, se répand, et tout le monde en profite. Tout le monde fait « ça sent bon ». T'es ici, il est là-bas, tu sens son odeur. Alors que l'autre qui apprend le Coran, mais qui dort, alors qu'il est dans sa poitrine, eh bien lui, comme le premier, c'est un sac plein de musc, un récipient plein de parfums, mais il est fermé. Personne n'en sent l'odeur. Al-Shahid, quand vous partez en voyage, et ça arrive très souvent, hein, alhamdoulilah, aujourd'hui les frères ils partent en voyage souvent, ils vont en Umrah ou bien ils vont ailleurs. Mais la sunna de mettre un amir parmi eux, celle-là, elle a été jetée aux oubliettes. Eh bien faites revivre cette sunna et faites revivre la façon de choisir l'amir parmi vous. Parce que très souvent, chez nous, on a déjà vécu ça. Quand on fait des voyages comme ça, on est toujours en train de dire « Alors, c'est qui l'amir? C'est toi. Ah non, c'est pas moi, c'est toi. Ah non. » Et on passe un quart d'heure à choisir, à dire « C'est moi, c'est pas toi, c'est pas moi. » Alors qu'en vrai, on veut tous le faire. Hein. C'est le truc. On voudrait tous être le amir, mais on fait « Non, c'est toi, Inch'Allah, c'est toi. » Et là, on fait « Non, c'est toi, c'est toi. » À la fin, un quart d'heure plus tard, on... voilà. Il y en a, ils ont été plus rapides que d'autres. Ils se sont fait appeler amir directement. « Ala kulli hal. » Parmi les particularités du Hafid al-Qur'an ici-bas, c'est qu'on le marie même s'il n'a rien dans les poches. Ah là, ça va vous intéresser là. Le paradis, les couronnes et tout ça, c'est bien. Mais là, quand ça parle de mariage, les frères, ils ont leurs oreilles. S'ils avaient des oreilles longues comme celles des lapins, on les verrait se dresser sur leur tête là. Taïb. On le marie même s'il n'a rien dans les poches. S'il n'a rien, on le marie. Parce qu'il a le Coran. Le hadith ma'ruf. Rawahu al-Shaykhan an Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu qal. Atati al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amra'atun. Faqalat innaha wahabat nafsaha lillahi wa lirasulih. Faqala alayhi salatu wa salam ma li fin nisa'i min hajah. Faqala rajulun zawwijniha ya rasul. Zawwijniha. قال عليه الصلاة والسلام أعطها ثوبا قال لا أجد قال أعطها ولو خاتما من حديد فاعتل ذلك فقال ما معك من القرآن قال كذا وكذا قال قد زوجتك لما قال قد زوجتك لما معك من القرآن حديث معروف مختصر. Donc une femme, elle est venue voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est offerte à lui pour qu'il la prenne en épouse. Il a dit, je n'ai pas besoin de femme supplémentaire. Alors un homme qui était présent, il se lève et dit au prophète, alayhi salatu wa sallam, au messager d'Allah, marie-moi à cette femme-là. Après tu lui dis, donne-lui un vêtement. Il dit, je ne trouve pas de quoi lui donner un vêtement. Il dit, donne-lui ne serait-ce qu'une bague en fer. Il a dit, je ne trouve pas de quoi lui donner, j'ai pas. Il est resté comme ça, sans rien dire, il avait rien du tout. Alors le prophète lui dit, alayhi salatu wassalam, combien tu as de Coran avec toi? Il dit, telle et telle et telle sourate. Alors le prophète lui dit, alayhi salatu wassalam, je te marie à elle en fonction de ce que tu as comme Coran. Je te marie à elle en fonction de ce que tu as comme Coran. Et là, le Coran, quand il est dans la poitrine d'une personne, eh bien il est suffisant comme dot pour pouvoir se marier.
Alors que celui qui n'a pas de Coran, le prophète lui a dit, alayhi wassalam, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu 'adhdhu lil-basar wa ahfadhu lil-farj aw ahsanu lil-farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-sawm. Quant à l'autre, il lui a dit, celui qui peut se marier, qui se marie, ça l'aidera à baisser son regard et à préserver sa chasteté. S'il ne peut pas, qu'il jeûne. Regarde la différence. Il n'a pas dit, va jeûner, va. Tu ne peux pas te marier, tu vas jeûner. Il n'a pas dit ça. Il lui a dit, t'as combien de Coran ? Il a marié avec le Coran. Sahibul Coran, parmi ses particularités, c'est un des deux seuls dans la communauté qu'on peut jalouser. البخاري رابورت d'après أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل بسم الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a de jalousie tolérée que dans deux choses. T'as pas le droit de faire du hasad. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا. Ne vous détestez pas, ne vous tournez pas le dos, ne soyez pas jaloux les uns des autres. Il n'y a pas de jalousie entre nous normalement. Sauf dans deux choses. Un homme à qui Allah a donné le Coran, il le récite à longueur de journée et à longueur de nuit. Un de ses voisins, il entend lire le Coran. Alors il se dit, oh là là, si seulement on m'avait donné la même chose que lui, j'aurais fait la même chose que lui. Là, tu le jalouses, tu as le droit. Jalouser dans le sens où tu voudrais faire comme lui. Que la jalousie positive, qui consiste à vouloir faire le bien comme celui qui fait le bien, et la jalousie négative, qui consiste à vouloir que la personne qui a une chose que toi tu n'as pas, en soit privée. Cela l'est interdite, formellement. Là, on parle de quelqu'un qui jalouse cette personne-là, dans le bien qu'il a, de façon à ce qu'il veuille, à ce qu'il puisse faire la même chose. Et un homme à qui Allah il a donné de l'argent, et il le dépense justement. Alors un homme, il l'a vu, il a dit, si seulement on m'avait donné autant que lui, j'aurais agi comme il agit lui aussi. Donc on a le droit de le jalouser. Mais aujourd'hui, les gens, ils le jalousent, mais dans le sens mauvais du terme. Quand tu le vois, il récite tout le temps. T'entends des gens qui lui disent, c'est bon, on a compris, je connais le Coran, après tu restes tout le temps là. C'est vrai, c'est pas vrai? Ah les frères, vous savez des fois quand je vois les frères, tu sais, ils ont ce hochement de tête qui montre l'expérience de la chose, tu vois. C'est bon, pourquoi tu restes tout le temps? Pourquoi tu fais de l'ostentation comme ça là? C'est vrai, c'est pas vrai? Enfin, je fais un nasiha, fais attention à l'ostentation, hein. Lui que les trois sourates. Fais attention à l'ostentation. C'est pas que celui qui apprend le Coran, comme il le récite tout le temps, comme il le révise tout le temps, comme il passe son temps dans le Coran, c'est automatique. Il peut pas rester silencieux, il peut pas. Ça aussi, c'est une des misas du Sahibul Coran. Celui qui apprend le Coran, il reste jamais silencieux, il reste pas silencieux. Si vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui apprend le Coran ou qui l'a appris, observez-le et essayez de voir s'il reste silencieux longtemps. S'il reste silencieux longtemps, c'est pas normal. Mais il ne restera pas silencieux longtemps. Si vous ne discutez pas ensemble, ou bien s'il n'y a rien à dire, tu verras, il va se mettre tout de suite à réciter du Coran. Tout de suite. C'est automatique, c'est obligé. Ibn al-Qayyim rapporte dans Kitab Adda'a wa Dawa, un homme qui, dans un marché, il vendait des tomates. Toute sa vie, pendant 40 ans, il vendait des tomates. Mes tomates, c'est les plus belles. Mes tomates, c'est les plus rouges. Mes tomates, c'est les plus fraîches. Mes tomates, c'est les plus juteuses. Il passait son temps à parler de tomates. Quand il rentrait chez lui, les tomates. Quand il allait dormir avec sa femme, les tomates. Le matin au réveil, il ouvre les yeux, mes tomates. Avant de mourir, ils lui ont dit, dis la ilaha illallah. Il a dit, mes tomates, c'est les plus belles.
Dis la ilaha illallah, mes tomates c'est les plus fraîches. Dis la ilaha illallah, mes tomates c'est les plus juteuses. Et il est mort en parlant de tomates. قالت العرب كل إناء بما فيه ينضح فالإناء الذي فيه عسل ينضح عسلا والإناء الذي فيه ماء ينضح ماء والإناء الذي ينضح فيه خمر ينضح خمرا. Tout récipient versera ce qu'il contient. C'est logique, tu me diras. Tu peux pas prendre une bouteille d'eau et verser du café, ce sera de l'eau qui en sortira. Donc ce qui habite ton cœur surgira avec ton âme quand tu la rendras. C'est automatique. Donc si toi tu ne connais pas le Coran et que tu ne le récites jamais, tu n'auras jamais le réflexe de lire le Coran. Jamais. Par contre, celui qui le lit tout le temps, wallah, il le lit tout le temps. Toujours en train de le lire, en train de le réciter, en train de le fredonner, en train de réviser tout seul, et il récite le Coran. Toujours. Mais aujourd'hui, ils vont dire, ouais, il se prend pour qui ce frère-là? Il m'énerve, tu rentres du Coran, il se prend pour qui là? Vas-y, j'en suis sûr, il fait de la ria ce frère. C'est... Mais pourquoi on est devenu aussi mauvais? Quelqu'un il a la réponse, je me pose la question, j'arrive pas à comprendre. Je me regarde moi, je regarde les gens autour de moi, je vois les défauts, les vices qu'on a, le mal qu'on a, le mal qu'on souhaite aux autres, le mal qu'on cherche chez les autres, les enquêtes. Il y a des gens, ils font des enquêtes, voilà, le FBI, ils n'ont pas fait des enquêtes comme ça. Ouais, le frère, il a dit ça une fois, il a fait ça, il est parti là-bas, il a vu l'autre. Il te fait un dossier, les RG. Alors que si lui, il s'était examiné comme ça, ce serait un ange, ses pieds, ce serait même pas le sol. Lakinla. Qu'est-ce qui a fait qu'on est devenu mauvais comme ça, on est devenu malsain, on est devenu... Je sais pas. Il faut qu'on se pose cette question, qu'on trouve une réponse. Celui qui trouve la réponse, il m'appelle. Parmi les particularités de Sahib al-Qur'an, ici-bas, c'est que s'il meurt avec d'autres personnes en même temps, c'est lui qu'on enterre en premier. Al-Bukhari rapporte d'après Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yajma'u bayna ar-rajulayn min qatla Uhud fi thawb wahid thumma yaqul ayyuhum akthar akhdhan lil-Qur'an فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma nous disait que après la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunissait deux morts dans le même tissu et les enterrait ensemble. Mais toujours il demandait avant de les mettre dans le tissu, enfin dans le lahd. Vous savez c'est quoi le lahd? Quand tu creuses la tombe, quand tu arrives en bas, tu fais un trou sur le côté. C'est ça qu'on appelle le lahd. Et c'est là qu'on rentre le corps. Et après on le ferme avec des briques et après on ferme le trou. Eh bien, lorsqu'il avait les deux dans le même tissu et qu'il s'apprêtait à les mettre dans le lahd, il disait c'est lequel des deux qui connaissait le plus de Coran? C'est lui. Alors il le faisait rentrer en premier dans le lahd. Et après seulement il fermait, il fermait la tombe. Et il disait, alayhi salatu wassalam, je témoigne pour tout cela le jour du jugement. Je serai un témoin pour tout cela le jour du jugement. Et après il a ordonné à ce qu'on les enterre dans leurs vêtements, sans les laver et sans compris sur eux. Et les exemples, ils sont nombreux là-dedans. Aussi, parmi les particularités de Sahib al-Qur'an, c'est qu'il mérite le respect des autres. Quotidien, sallallahu alayhi wa sallam, inna min ijlalillahi tawqir sahib al-shaybati al-muslim wa hamil al-Qur'an ghayr al-ghali fihi wa lal-jafi anha. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, fait partie de la glorification d'Allah Azza wa Jal. Tu veux glorifier Allah? Écoute comment faire. Le fait de respecter celui qui a un poil blanc alors qu'il est musulman. Il dit Sahib al-Shayba. Il a un cheveu blanc. Que dire de celui qui a la tête toute blanche?
et aussi de respecter celui qui a appris le Coran. Lui aussi mérite un rang particulier. Lui aussi mérite un respect particulier. Parce que dans sa poitrine, il y a le Coran. Il a donc le droit à un rang particulier, comme on l'a vu depuis tout à l'heure dans les textes qu'on cite depuis tout à l'heure. Mais pas n'importe qui apprend le Coran. غَيْرِ الْغَالِفِي وَلَا الْجَافِي عَنْهِ. Pas celui qui exagère en celui-ci, dans le Coran, dans son application, ni le laxiste, celui qui le laisse de côté, qui ne le met pas en pratique. Et les textes sont nombreux encore. Mais pour vous montrer à quel point le hafid al-Qur'an, hamil al-Qur'an, il n'est pas comme les autres, on est obligé de voir comment les salafis faisaient avec lui. Parce que nous, ces textes-là, ça rentre par l'oreille. C'est pas ça sort par l'autre. Parce que l'autre trou de l'oreille, il est trop loin. C'est la narine. Elle est plus proche. Entre l'oreille et la première narine, il y a moins de distance que les deux oreilles. Ces hadiths-là, on les dit, on les répète. Mais il faut que vous compreniez comment les gens les appliquaient, ces hadiths-là. Et les meilleurs des gens dans la communauté qui ont appliqué ces hadiths, sous les salafs. Et l'imam Malik, rahimahullah, Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il rapporte, il dit, « Kana ar-rajulu minna idha hafidha al-baqarata wa ala imran jalla fi a'yunina. » Il disait, parmi nous, il y avait une personne, enfin il disait plus précisément, quand parmi nous il y avait une personne qui apprenait le Baqara et Ali Imran, il prenait de la place dans nos yeux. C'est-à-dire qu'on le regardait différemment. Il avait une valeur particulière chez nous. Vous vous souvenez du hadith de tout à l'heure là? Comme quand il a demandé au plus jeune des compagnons, est-ce que tu connais le Baqara? Il a dit oui. Il dit, c'est toi leur Amir. Le Baqara. C'est pas rien. Il a dit, Anas, quand quelqu'un parmi nous apprenait le Baqara et Ali Imran, on le regardait différemment. Oh là là, lui connaît le Baqara et Imran. Toi, tu connais Stin Hizb. Tu connais tout le Coran. Tu connais même dans toutes les lectures. Wallahi, il peut te pousser dans un trou, Wala hawla wala quwwata illa billah. D'ailleurs, c'est là, pour vous montrer à quel point c'était quelque chose de particulier d'apprendre le Baqara à l'époque. L'imam Malik, rahimahullah, il rapporte, il dit « قال تعلم عمر البقرة في 12 سنة فلما ختمها نحر جزورا » L'imam Malik, il rapporte, rahimahullah, que Omar ibn al-Khattab, il a mis 12 ans pour apprendre le Baqara. 12 ans. Quand il est arrivé à la fin, il était tellement content qu'il a sacrifié un chameau. C'était une fête pour eux. Yawmun azim. Foulan minna hafid al-Baqara, Allahu Akbar. Et il ramenait les chameaux, il ramenait et Meshoui, bien. La fête. Des fois, des gens, ils posent la question, ils nous disent, est-ce qu'on a le droit de faire une fête quand quelqu'un parmi nous apprend le Coran? Parce qu'on a peur, apparemment, c'est une bid'a. Je dis, subhanallah, c'est ça la hada des salafs. Les salafs, ils le faisaient, ça. Quand ils avaient des assises ou bien des élèves qui apprenaient le Coran, et que l'un d'entre eux, parmi eux, il le finissait, il faisait une hafla. Allez, on va prendre un kharouf ou bien un ébil, on le nhar, on le chouit, et c'est parti. Et c'était un jour de fête. Et ce hafid-là, cette nouvelle personne qui a appris le Coran, on lui montrait qu'elle avait de la valeur à nos yeux. Toi, t'es hafid le Coran. Aujourd'hui, non seulement les gens n'apprennent pas le Coran, mais le peu parmi eux qui l'apprennent, personne ne les calcule. Qui c'est qui les calcule, billah alaykoum? Quand j'ai appris le Coran, je l'ai fini en août 2001. J'ai fini avec Surat al-Nahl, la dernière surat que j'ai apprise. Mon père est au Maroc. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit, une bonne nouvelle. À l'époque, il faut comprendre le contexte. J'avais des relations assez conflictuelles avec mon père. Parce que je commençais à l'iltizam, je commençais à avoir l'ihya et tout ça. Et lui, au début, c'était pas très, très... Bon, t'as vu, nous, au début, on vient, on va changer le monde. Ouais, tu fais des pita, tu n'importe quoi, tout ça. Voilà.
Mon père, il n'aimait pas trop la tournure des événements. Donc quand j'ai appris, je l'ai appelé. J'ai dit, une bonne nouvelle. Il m'a dit, ghir khir. J'ai dit, j'ai fini le Coran. Il n'a pas, sur le coup, il n'a pas, je ne crois pas qu'il ait compris. Ben, psahtek, genre, il a cru que j'avais fini le Coran. Je fais, non, j'ai fini de hafad le Coran, ça y est. Il ne m'a rien dit. Il m'a dit, c'est bien. C'est tout. Après, je te passe ta mère. Mais je vous précise, hein, comme je vous dis, c'était, il faut remettre les choses dans leur contexte. Au début, c'était un peu conflictuel et tout ça. Mais après, avec le temps, quand, alhamdoulilah, on a réussi à s'entendre sur beaucoup de choses. D'ailleurs, les frères qui connaissent mon père, ils vous le diront. C'est mon plus grand fan. J'étais avec lui et on parlait de Al-Kahf. Il me disait qu'il lui fallait une demi-heure pour lire Al-Kahf. Je lui disais, moi, il me faut 10 minutes. Il m'a dit, mais n'importe quoi, c'est pas possible, tu l'as lu en 10 minutes. Je lui dis, ben si. Il m'a dit, viens. Il a repris le mashaf. Il m'a dit, récite. Alors je lui récite le kaf en 10 minutes. Il était choqué. Il m'a regardé comme ça. Il s'est levé et m'a embrassé la tête. La première fois de ma vie que mon père il m'embrasse la tête. Al-Muhim, quoi qu'il en soit, c'est une anecdote personnelle, parce que des fois c'est bien d'avoir des anecdotes de personnes que vous connaissez, comme ça, ça. Des fois on parle de Hassan, de Omar, Djoua, mais eux c'était attends, c'est normal, ils sont comme ça, nous c'est différent. Si moi j'y suis arrivé, vous pouvez tous le faire. Ala kulli hal, juste pour vous dire que je me rappelle à la mosquée, justement j'apprenais à la mosquée. D'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé de la mosquée, le fait de se rendre à la mosquée, tout ça. Ça, c'est, wallah, c'est ni'ma adhima. De trouver une mosquée ouverte qui te permet d'apprendre. Moi, j'étais à la fac à l'époque. Enfin, j'étais à la fac, je ne suis pas resté longtemps. Tous les matins, je prenais ma chemise et j'allais à la fac. Je suis resté quelques mois, après, je craquais, j'en ai eu marre, c'était n'importe quoi. Mais si je disais à mes parents que je n'allais plus à la fac, ça aurait été difficile. Alors, je ne leur ai pas dit. Et tout le temps, je prenais mes affaires. Comme si j'allais à la fac, mais j'allais à la mosquée. Et je restais toute la journée à la mosquée. Et durant mes 2 ans de Doug, j'ai appris le Coran. Et mon père il m'a dit, c'est quoi cette fac où tu vas, toi? Il n'y a jamais d'examen, il n'y a jamais de... Et le dernier jour où j'ai appris le Coran, donc c'était pendant l'été, en 2001, en août, je me rappelle quand j'ai fini, j'ai fermé le mashaf, il n'y avait pas même pas une balle de frères dans la mosquée, j'ai ouvert la porte, je suis tombé sur un frère, et il m'a dit... Alors, ça j'ai fini. Il a dit Allahu Akbar. Après, il a dit les frères, il a fini. Après, tout le monde, ils sont venus, ils m'ont pris dans leurs bras. Et puis, c'est un moment, tu l'oublieras jamais de ta vie, le jour où tu as fini d'apprendre le Coran. Mais il faut le vivre, ça. Mais si Allah, il met autour de toi des frères, des gens qui te montrent leur joie, qui partagent avec toi lorsque tu arrives à ce moment-là, c'est inoubliable. C'est inoubliable. Et tu comprends à la fin, quand tu vois tous ces versets, tous ces hadiths, que wallah, le hafid, le Coran, il vit heureux toute sa vie et dans l'au-delà aussi. Il vit heureux parce qu'il lit le Coran. Il est toujours en train de lire la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a un hadith, il est da'if, mais les savants ont dit ce ma'ana, il est sahih. Ils ont dit, hafid, le Coran, qad istadraka an-nubuwwata bayna janbayhi ghayra annahu la yuha ilayhi. Celui qui apprend le Coran, la révélation s'installe entre ses côtes. Sauf qu'il ne la reçoit pas la révélation. Non, la prophétie elle s'installe entre ses côtes, sauf que lui ne reçoit pas la révélation. Ce n'est pas un prophète, mais il a la prophétie dans son cœur. La prophétie, c'est-à-dire ce qu'Allah il a révélé sur son prophète, alayhi wa sallam. Toi, tu l'as entre tes côtes. Allah dit dans le Coran, « قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ » Tu veux éprouver de la joie, c'est par la grâce d'Allah et sa miséricorde. C'est mieux que tout ce qu'ils peuvent réunir. Wallah, hafid al Qur'an, toute sa vie, il est heureux. Il se réveille le matin, il est du Qur'an. Il sort dehors, il est du Qur'an. Quand il n'a rien à dire, il est du Qur'an. Avant d'aller dormir, il est du Qur'an. Il rêve même qu'il lit du Qur'an. Le Qur'an, il est constamment avec lui.
et tu deviens une fierté même pour les autres qui n'ont pas réussi à atteindre ce degré-là. Comme il disait Mujahid rahimahullah, il disait kunna nafkharu 'ala an-nas biqari'ina 'Abdillah ibn Sa'ib. Imagine, je sais pas, un exemple, tu vis dans une cité dans laquelle il y a un jeune, c'est des exemples contemporains pour que tu comprennes le truc. Il est dans l'équipe de foot championne du monde, je sais pas, je dis n'importe quoi. Je connais pas les équipes de foot, je dis n'importe quoi. Je connais même pas d'équipe de foot. Juventus, c'est une équipe de foot? C'est nul ou quoi? Quoi, t'as rigolé? C'est pas une équipe de foot? Ouais, c'est bon toi aussi. Al-Mouhib, t'as vu des fois, il est dans ma cité, je le connais moi. T'as vu comment je suis fier? Moi je le connais, attention, j'ai grandi avec lui, on joue foot ensemble, je lui ai appris des petits trucs et ça, tu vois. Bah avant les gens faisaient ça avec le Coran, avec Sahib ou le Coran. Mujahid disait quoi? On était fiers de notre lecteur national, Abdullah ibn Sa'ib. Les gens disaient, tu connais Abdullah ibn Sa'ib? Je le connais. Il habite avec. T'es fou, il est de chez nous. Je le connais, je suis avec lui, tout ça. Waouh, oh, tu connais Abdullah ibn Sa'ib? Waouh, la chance. C'était une fierté même pour les autres, celui qui connaissait le Coran. C'est des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Eh bien, quand tu vois tout ce que Hafid al-Quran il reçoit de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala comme particularité, comme distinction ici-bas et dans l'au-delà, et de la part des autres, ceux qui comprennent ces textes-là, eh bien, il doit comprendre à son tour, à travers toutes ces choses-là, que comme Allah il l'a distingué des autres, eh bien, il se doit lui aussi de se distinguer des autres. Non. Ceux qui se souviennent. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a dit une parole, chaque fois que je la lis, elle me fait peur. Je dis, oh là là, on a du boulot. Il disait radiallahu anhu, écoutez bien ceux qui apprennent le Coran, il faut qu'on se motive. Hein. Il dit, yanbaghi li hamil al Quran, an ya'rifa bi laylihi idha an-nasu na'imun, wa bi naharihi idha an-nasu muftirun, wa bi huznihi idha an-nasu yafrahun. وببكائه إذا الناس يضحكون وبصمته إذا الناس يخوضون وبخشوعه إذا الناس يختالون. Ibn Mas'ud رضي الله عنه, comme il disait beaucoup de ulama, il a tellement côtoyé le prophète alayhi salat wa salam que quand il parlait, on retrouvait dans ses paroles le goût, la saveur de la parole du prophète alayhi salat wa salam. Il disait, il convient pour celui qui mémorise le Coran, de faire connaître sa nuit lorsque les gens y dorment. Et ses journées lorsque les gens y mangent. Et sa tristesse lorsque les gens y sont heureux. Et ses larmes lorsque les gens y rient. Et son silence lorsque les gens y débattent futilement. Et de son humilité lorsque les gens y font preuve d'orgueil. C'est ça. C'est peut-être à cause de ça, peut-être que les gens ils respectent plus Hufad al-Qur'an. Allahu a'lam. C'est peut-être dû au fait qu'ils connaissent pas ces textes-là, qu'ils savent pas comment les mettre en pratique, et aussi que Hufad al-Qur'an ne font plus ce que Hufad al-Qur'an y faisait avant. On voit plus de différence dans leur comportement avec les autres qui connaissent pas le Qur'an. C'est peut-être une raison, Allahu a'lam. Allez savoir. قال الفضيل بن عياض رحمه الله حامل القرآن اسمع هذه حامل راية الإسلام لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع من يسهو ولا يلغو مع من يلغو تعظيما لحق القرآن. Celui qui a pris le Coran, il porte l'étendard de l'islam. Et titre indicatif, dans une armée, celui qui porte l'étendard, il a une fierté sans pareil. Et en même temps, c'est la cible de l'autre armée. C'est lui qu'on regarde. Donc à cause de ça, il ne convient pas à ce qu'il parle futilement avec ceux qui parlent futilement. Dire des bêtises, des choses qui ne servent à rien. Ou qu'il fasse preuve de distraction avec ceux qui sont distraits.
ou qu'il fasse n'importe quoi avec ceux qui font n'importe quoi. En signe de respect et de vénération envers le Coran. Tu respectes et tu vénères le Coran que tu as appris. Tu ne dois pas dire n'importe quoi avec ceux qui disent n'importe quoi. Tu ne dois pas faire n'importe quoi avec ceux qui font n'importe quoi. Et tu ne dois pas faire preuve de distraction quand les gens ils sont distraits. Pour vous montrer à quel point Sahibul Qur'an il est différent des autres, n'allez pas croire que c'est que les salafs qui avaient compris ça. Tout le monde avant, ils savaient ça. Et parmi ceux qui l'avaient compris aussi, les gouverneurs. Les gouverneurs avant, vous savez que les gens ils venaient frapper à leur porte, tu pouvais aller chez le roi avant, normal. Et tu lui demandais de rembourser une dette, de donner de l'argent, et là, il est. Et les gouverneurs, ils ne donnaient qu'à ceux qu'ils estimaient mériter qu'on les aide. Et ceux qu'ils estimaient mériter avoir de l'aide, ceux qui apprenaient le Coran. Abdel Malik ibn Marwan, un des grands, le plus grand d'ailleurs, calife de la dynastie des Omeyyades, était dans son assise. Et un homme, il est rentré, un homme de sa famille. Il lui a dit, « Ya Amir al-Mu'minin, aslahaka Allah. Iza ra'a al-Amir an yaqdiya ala qaribin min aqaribihi shay'an min duyunihi, fa'al. » C'est une formule déjà faite pour tirer vers toi le consentement de l'Amir, du Amir. Il dit, si le Amir il voit que il pourrait éventuellement rembourser les dettes d'un de ses proches, bien qu'il le fasse. Le Amir il lui dit, كم معك من القرآن؟ فقال الرجل لا شيء. Tu as combien de Coran avec toi? L'homme dit rien. Mais est-ce qu'on va comprendre qu'il a rien? C'est pas possible qu'il ait rien. C'est un musulman, un arabe qui puisse dans un pays musulman, pas longtemps après la mort du prophète, obligé d'être du Coran. Mais en gros, pour eux, ce qu'ils avaient, c'était tellement pas beaucoup qu'ils préféraient dire j'ai rien. C'est comme s'ils disaient j'ai rien. C'est pareil. Il lui a dit ijlis. Assis-toi alors. Et un autre, il a compris la technique. Il s'est levé. Il a dit aslah Allah al-Amir. Idha ra'a al-Amir an yaqdiya alayya duyuni fa'al. فقال كم معك من القرآن قال أتحفظ القرآن قال عن قال نعم قال إذا علينا قضاء ديونك على هذا. L'autre s'est levé, il a saisi l'occasion. Il a dit si l'amir veut rembourser mes dettes, qu'il le fasse. Tu connais le Coran ou pas? Il a dit oui. Il a dit alors on va rembourser des dettes pour ça. Il a remboursé ses dettes. Et cette question là, combien de Coran tu as? Alors là, tu le trouves énormément dans les textes. Mais justement, on va rester avec les gouverneurs. Il y a une histoire, elle est marrante, d'un autre gouverneur, il s'appelle Al-Walid ibn Yazid, toujours chez les Omawiyyin. Pendant qu'il était sur le chemin du pèlerinage, ça prenait du temps, il était fatigué, alors il a demandé à ce que le cortège s'arrête pour faire une pause. Les loups ont planté sa tente, et il avait avec lui un ami qui s'appelle Abdullah ibn Muawiyah ibn Ja'far ibn Muhammad. Alors ils sont comme ça dans l'attente, en train d'attendre. Et Abdullah, il propose au calife de jouer aux échecs. À savoir que c'était très 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 mal vu à l'époque de jouer aux échecs. Les salafs, ils sont très très durs à l'égard de ceux qui jouent aux échecs. Alors ils jouent aux échecs comme ça. Et il y a un qui rentre et dit, il y a inna rajulan min bani thaqif yasta'zinu liyadkhula 'ala al-amir. Il y a un homme qui vient de Banu Thaqif à Taif qui demande la permission pour parler au Amir. Le Amir lui dit attends, il sort une sorte de serviette, il la pose sur le jeu. Pas qu'on voit l'Amir en train de jouer aux échecs, c'est la honte, si jamais ça sert, laisse tomber. Il dit vas-y, fais-le rentrer. L'Amir rentre. Il lui dit voilà, il y a Amir al-Mu'minin, pas d'argent, tout ça, j'ai des dettes, tu peux m'aider. Il lui dit Atahfad al-Qur'an. قال لا أتحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أقرأت الفقه قال لا أقرأت الشعر
قال لا أتعرف شيئا من أيام العرب وأنسابها قال لا Il lui dit, tu connais le Coran ? Il dit non. Tu connais les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Il dit non. Tu as étudié le fiqh ? Il dit non. Tu connais la poésie ? Il dit non. Tu connais l'histoire des Arabes et leur lignée ? Il dit non. Là, l'Amir, qu'est-ce qu'il fait ? Il retire le torchon et il dit, Shahak, il y aura ton tour. Et là, Abdullah ibn Muawiyah qui est avec lui, fait, Yamil Mounine, qu'est-ce que tu fais ? Il est en train de nous voir là. Arrête, il fait il ab, mama ana ahad. Il dit lui, il n'y a personne avec nous là. Lui là, il n'y a personne, il n'y a rien. Il n'a rien, il ne vaut rien lui. Pas de Coran, pas de hadith, pas de shir, pas de fiqh, pas de ci, pas de ça. Il n'y a personne avec nous, joujou, c'est bon, il n'y a personne. Pour vous dire à quel point le Coran à l'époque il était mu'azzam, même les gens mauvais apprenaient le Coran. C'était des chanteuses, c'était des femmes de mauvaises mœurs, des poétesses, mais qui étaient connues pour dire des choses perverses. Très très généralement, elles apprenaient le Coran avant de s'adonner à leur perversité dans la poésie. Et il y a un historien qui rapporte, à l'époque de l'Andalousie, qu'une de ces femmes-là, elle avait un plaisir à se moquer des fuqaha, des savants du fiqh dans l'Andalousie. Et à l'époque, en Andalousie, ils portaient, pour se distinguer des gens, une qalan souwa safra, yani chachia jaune. Et un jour qu'un faqih il est passé près d'elle, cette femme-là, elle l'a regardé, elle lui a dit « Ahsanta ya baqarata bani Israël, ghayra annaka la tasurru an-nadhirin » Elle s'est moquée de lui. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu es belle, ô vache des fils d'Israël. Le Baqara des fils d'Israël, le Baqara. Et quand Allah parle de le Baqara dans le Coran, l'histoire il dit, tasurru an-nadhirin. Quand tu la vois, elle réjouit ceux qui la voient. De toi, t'es la vache des fils d'Israël, sauf que ceux qui te voient ne sont pas réjouis. Et lui a répondu, illam asurru an-nadhirin. فَأَنَا أَسُرُّ السَّامِعِينَ Il lui a dit, si moi je ne réjouis pas ceux qui me voient, eh bien je réjouis ceux qui m'entendent. عَلَى كُلِّ حَال Pour vous dire que, il y a des gens qui apprenaient le Coran, imagine-toi la mauvaise intention. Ils apprennent le Coran pour en déduire, pour en sortir de quoi ? Insulter les gens. Et pourtant ils apprennent le Coran. Et toi, tu es là et tu n'apprends pas le Coran. Et c'est là qu'on arrive au passage le plus douloureux de cette conférence. Et on va s'adresser aux étudiants. Ceux qui parlent de talab al-ilm tous les jours. Talab al-ilm, mashallah, des doros kada, doros kada, doros kada. Eh bien, écoute, mon cher frère, comment les salafs voyaient le talab al-ilm qui ne connaissait pas le Coran ? Et ça, il faut savoir que ce n'est pas ça qui manque. Il y en a énormément, des paroles chez les élèves à ce sujet-là. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a une phrase qui revenait très souvent dans leur bouche, c'est « Ma ma'aka min al-Qur'an ». Ça, on la trouve très souvent, ça. Maintenant, on est dans le Muwatta, l'imam Malik, rahimahullah, il rapporte d'après Yahya ibn Sa'id, al-Muhammad ibn Ibrahim, al-Abdirrahman ibn Abi Jamal, Amrah, al-Ansari. « Annahu qal, ja'a Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, ila salati al-Isha, fara'a ahla al-masjidi qalila. » فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره فقال عثمان ما معك من القرآن فأخبره فقال له عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة Donc Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, une nuit, rentre à la mosquée pour l'heure de l'Isha. Il arrive, il trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Alors il fait quoi ? Il va au fond de la mosquée, il s'allonge à attendre que les gens soient plus nombreux. Ibn Abi Amra, il rentre, il voit Uthman, il va le voir. Il lui demande pourquoi il attend. Il voulait savoir pourquoi est-ce qu'il n'a pas jugé utile de faire la prière maintenant. Avant de lui répondre,
Asma lui dit, t'es qui toi? Alors il dit, je suis Ibn Abi Amrah. Il se présente, premièrement. Ah, d'accord. Quand il a su c'était qui, il lui a dit, comment tu connais le Coran? Alors il lui a répondu, ma'ya kada wa kada. Et c'est seulement après que Uthman lui a répondu. Il lui a dit, le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit, celui qui assiste à la prière de l'Isha, c'est comme s'il avait passé la moitié de la nuit en prière. Et celui qui a prié, qui a assisté à la prière de Subh à la mosquée, c'est comme s'il avait prié la nuit entière, qu'il avait passé la nuit entière en prière. Al-Shahid, c'est quoi? C'est quoi ici? C'est que Uthman n'a pas voulu lui répondre. Seulement après avoir su s'il connaissait le Coran. C'est comme si tout à l'heure on a vu que les gouverneurs trouvaient que la personne qui méritait qu'on l'aide, c'était celui qui connaissait le Coran. Et bien la personne qui mérite pour répondre à ces questions, c'est celle qui connaît le Coran. C'est lui et personne d'autre. C'est pas le Coran, c'est pas pour que tu me demandes. Va prendre le Coran, va. Et il y en a plein qui faisaient ça. Il y en a plein qui refusaient de prendre parmi eux les gens qui apprenaient pas le Coran. Exemple, قال الوليد بن مسلم كنا إذا جالسنا الأوزاعي رحمه الله فرأى فينا حدثا قال يا غلام قرأت القرآن فإن قال نعم قال اقرأ قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ أنثيين وإن قال لا قال اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم الأوزاعي رحمه الله il avait ses élèves quand il voyait un nouveau il lui disait toi là petit tu lis le Coran? Alors soit il disait oui, soit il disait non. Celui-ci lui disait oui, il lui dit vas-y, récite à partir du verset où Allah Ta'ala il dit يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Et pour ceux qui connaissent Sourate An-Nisa, je pense qu'on va être tous d'accord pour dire que ce verset-là et celui qui suit sont les plus difficiles de la page, à peu près. Parce que ça fait référence à la part de chaque membre de la famille après le décès. Alors il lui a dit, vas-y, dis-là qu'il lui passe un verset difficile, vas-y, récite. S'il récite, il dit, c'est bon, tu peux rester. S'il dit, non, je ne connais pas le Coran, il nous dit, pars. Apprends le Coran, après viens, tu dis la science après. Tu fais quoi? Tu mets la charrue avant les bœufs quoi? Va apprendre le Coran, après tu viens. Wa qala ibn Jurayj, rahimahullah, ataytu ata, wa ana uridu hada al-sha'n, ay al-ilm, wa indahu Abdullah ibn Ubayd ibn Umayr, فقال لابن عمير قرأت القرآن قلت لا قال فاذهب فقرأه ثم اطلب العلم. Ibn Jurayj dit qu'il a été voir Ata et il voulait apprendre la science. Lorsqu'il est arrivé chez Ata, il a trouvé un homme qui s'appelle Abdullah ibn Umayr ibn Ubayd ibn Umayr. Quand il s'est assis, Abdullah ibn Ubayd ibn Umayr lui dit t'as lu le Coran toi ou pas? Il dit non. Il dit pars, va lire le Coran, après demande la science. Un autre, وهذا الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول عن نفسه لم يدعني أبي أشتغل في الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان الرازي ثم كتبت الحديث. عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله dit en parlant de lui que mon père ne m'a pas laissé étudier le hadith tant que j'avais pas fini d'apprendre le Coran sur الفضل ابن شاذان الرازي. C'est seulement après que j'ai pu écrire le hadith. Seulement après. Et les paroles des savants. Un autre encore. Kana Abu Hisham, قال Abu Hisham al-Rifa'i, kana Yahya ibn Yaman idha ja'ahu ghulam amrad istaqra'ahu ra's 70 min al-A'raf wa ra's 70 min Yusuf wa awwal al-hadith. Fa idha qara'ahu haddathah wa illa lam yuhaddithuhu. Yahya ibn Yaman, lorsque un jeune garçon il venait, il était encore imberbe, il était petit. Si un imberbe venait voir le shir pour apprendre le hadith, il lui faisait lire de tête à partir du 70e verset de l'A'raf. Vas-y, commence à partir de là, toi. Vas-y, on t'écoute. Après, à partir du 70e verset de Yusuf. Si jamais il arrivait à réciter, alors il lui lisait du hadith. Sinon, il lui disait de partir. Sinon, il ne lui donnait pas. Et quand on trouve chez les grands savants,
comme Al-Khatib Al-Baghdadi, ou encore Al-Nawawi, ou encore Ibn Abdilbar, ou encore Badruddin Ibn Jama'a, on trouve chez eux tous cette parole. أول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه قاله ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. Il a dit la première étape dans la science, c'est l'apprentissage du Coran. Le comprendre et ainsi que tout ce qui aide à le comprendre, c'est obligatoire de le demander, de l'étudier. C'est ça la première chose dans la science. Nous, on vient, on est là, on fait du ilm, on fait du hadith, on fait du mustalah, on fait du usul fiqh, on fait du usul tafsir. On fait pas du nahou, parce que vous êtes tous nuls en nahou. Non, ça vous touche pas. Ou bien j'en passais d'autres. Mais le Coran, personne. Moi, ce qui me tue, mais vraiment, quoi, ce sont ces frères à qui Allah donne l'opportunité d'aller en Arabie Saoudite pendant 6 ans, peut-être vraiment des fois plus. Il reste là-bas 6 ans, 7 ans, 8 ans. Il revient là-bas à faire le Coran. Tu faisais quoi, toi, là-bas? Tu faisais quoi? C'est bien, parce que tu as étudié le sharia, tu as étudié le hadith. Pourquoi tu n'as pas pris le Coran? Wallah, il y a un hadith. Beaucoup de savants, ils le da'af. Ils disent qu'il est faible. Mais Tirmidhi, celui qui le rapporte, dit qu'il est sahih. Enfin, il dit qu'il est Hassan. Hassan on sahih. Et Suyuti le rejoint dans ça. C'est quoi le hadith? Il dit: Inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an kal baytil kharab. Ou il kharib. Kal baytil kharib. Il dit: celui qui n'a rien du Qur'an dans sa poitrine, il est comme une demeure, comme les vestiges d'une maison. On dit les décombres. C'est comme ça? Hein? Les ruines, voilà, exactement. Les ruines d'une maison. Celui qui n'a rien dans sa poitrine du Coran. Voilà, les frères. Je vous ai fait un petit résumé. J'avais beaucoup de choses à dire encore. Mais je vais finir juste avec cette parole-là d'Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri, rahmahullah, il est comme la guillotine. Il coupe. Sec et propre. Il a dit, rahimahullah, Qurra'ul Qur'an, thalathatu asnaf. Sinfun, ittakhadhuhu bida'atan, ya'kuluna bih. Wa sinfun, aqamu hurufahu, wa dayya'u hududah, wa istatalu bihi ala ahli biladihim, wa istadarru bihi alwulah. Kathura hadha dharbu min hamalatin Qur'an, la kathfarahumullah. Wa sinfun, عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم فركضوا به في محاريبهم وحنوا به في برانيسهم واستشعروا الخوف فارتدوا الحزن فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء والله لهؤلاء الضرب من حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر. Pourquoi j'ai choisi ce hasard pour finir ce dars, mes frères? Inch'Allah ta'ala, en espérant vous avoir motivé pour apprendre le Coran. T'es motivé ou pas? Alhamdulillah. Attention, on t'a filmé, t'es fichu. Et voilà. Maintenant, vous êtes motivé pour apprendre le Coran. Il faut que vous sachiez une chose. C'est que des gens qui apprennent le Coran, il y en a. On va en trouver. Mais qu'est-ce qu'ils font de leur Coran? Qala alayhi sallallahu alayhi sallam, al-Quran hujjatun laka aw alayk. Le Coran, c'est un argument pour toi ou contre toi. Al-Hassan, rahimahullah, il nous dit que ceux qui apprennent le Coran, ils se divisent en 3 catégories. Il y en a qui en ont fait une marchandise avec laquelle ils mangent. C'est-à-dire, ils le vendent, on les paye et ils mangent avec. Ils en ont fait une marchandise. Il a dit, il y a une partie de ces gens-là, aqamu hurufa. Quand tu vas entendre réciter, les lettres, elles vont scintiller. C'est ceux qui ont écrit, ils font Alhamdulillah. Tu vois? Même des fois, il y a de l'exagération, c'est abusif, cette façon de réciter. Il va donner plus d'importance à la façon de prononcer les lettres qu'au sens que comporte le mot. Il dit Aqamu hurufa.
Ils ont réussi à dresser ces lettres, c'est dans le sens où ils les prononcent comme il le faut. Cependant, ils ont gâché ces limites. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné d'importance aux limites qui sont présentes dans le Coran, qui sont les limites de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont servis du Coran pour s'emparer des gens du village. S'emparer dans quel sens ? Les dénigrer, montrer qu'ils sont plus forts qu'eux, qu'ils sont meilleurs qu'eux. On a dit que le hafid du Coran doit être mutawadi, khashi', doit être humble et modeste. Pas qu'il passe son temps à dénigrer les gens parce qu'ils n'ont pas le Coran et qu'ils s'en servent pour être supérieurs à eux. Et ils ont aussi, par le biais du Coran, soutiré les, comment dirais-je, les privilèges qu'on leur donnait chez les gouverneurs. Comme c'était le cas chez les Arabes à l'époque. On a donné des exemples tout à l'heure. Et cette catégorie-là, la deuxième, elle est très présente aujourd'hui. Ah, il parle de son époque. Hein. À son époque, il parle. La kaffarahum Allah. Qu'Allah ne les multiplie pas. Après, dit, et une dernière partie. Ils ont pris le remède du Coran et ils l'ont posé sur le mal qu'il y avait dans leur cœur. Ils ont pris le remède qu'il y a dans le Coran, le médicament, et ils ont soigné avec le mal qu'il y avait dans leur cœur. Ce Coran-là leur a permis, les a aidés à rester debout dans leur mihrab. Le mihrab, en français, c'est la niche. C'est l'endroit dans lequel l'imam se met pour prier. Vous savez, c'est le vêtement qu'on a au Maroc, le jellaba, avec la capuche. Ils le cachent dans leur jellaba. Parce que dans la jellaba, c'est bien la capuche, tu le caches avec. Je voulais la mettre aujourd'hui, mais vous êtes trop chaud. Même Hatim ne l'a pas mis. Ala kulli hal. Quand ils ont le Coran dans leur poitrine, ils ressentent la peur. Et il repousse la tristesse. Allah dit dans le Coran, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois triste, malheureux. Fa'ulaika alladhina yusqi Allahu bihim al-ghayth. Ce sont eux par qui Allah Ta'ala fait descendre la pluie. C'est par leur cause qu'Allah fait descendre la pluie pour ceux qui l'attendent éperdument. Ce sont par eux, par leur cause, qu'Allah Ta'ala donne la victoire face à l'ennemi. Après, il dit Wallahi la ha'ula'i dharb min hamalati al-Qur'an a'azzu min al-kibriti al-ahmar. Il dit par Allah, ce groupe de ceux qui apprennent le Qur'an, qui sont comme ceux, ce qu'on vient de dire, ils sont plus rares encore que les rubis. Les rubis, c'est des pierres précieuses rouges. C'est rouge les rubis, je ne dis pas de bêtises. Ils sont plus rares encore que ces pierres précieuses-là. Donc, il ne faut pas que ça te démotive ce que je viens de dire là. Au contraire, tu sais comment faire partie de cette minorité, de ce groupe d'exception. Qu'est-ce qui t'empêche alors ? Tu te lèves la nuit avant Sobh. Là, c'est le Ramadan. On sera tous réveillés avant Sobh. Pour manger, pour boire. Hein? Tu lèves tes mains, tu demandes, Ya Allah, aide-moi à apprendre le Coran. Ya Allah, fais que ma poitrine soit digne de recevoir le Coran. Ya Allah, fais que je sois plus rare que le rubis. Fais que je fasse partie de ces gens qui ont appris le Coran et qui l'ont compris et qui l'ont mis en pratique. Fais que je sois une cause par laquelle Allah Ta'ala, tu fais descendre la pluie pour ceux qui l'attendent. Et tu donnes la victoire aux croyants devant leurs ennemis. Naam, les frères. C'est la parole d'Allah. C'est pas la parole d'un être humain. Tanzilum min Rabbil Alameen. Walaw taqawwala alayna ba'd al-aqawil qablaha. Innahu laqawl rasulin karim. Wa ma huwa biqawli sha'ir. Qalilam ma tu'minun. Wala biqawli kahin. Certes, c'est la parole d'un messager noble. Ce n'est pas la parole d'un devin,
vous croyez très peu. Ce n'est pas la parole d'un poète. Si seulement vous réfléchissiez, c'est la descente du Seigneur de l'univers. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Nous n'avons pas enseigné à notre messager la poésie et il ne convient pas pour lui de la prononcer. Ce n'est qu'un Coran et un rappel clair, un rappel évident. Allah, il a juré par le Coran dans de nombreux versets. Qaf wal Qur'an il majid. Par le Coran glorieux. C'est la parole d'Allah. C'est le dernier lien qu'Allah Ta'ala il a donné à l'humanité. Il n'y a plus de livres. La Umm Ayman radiallahu anha, elle était. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de la visiter de son vivant. Après sa mort, Abu Bakr a été voir Omar radiallahu anhuma, elle lui a dit: viens avec moi. On va visiter Umm Ayman comme le prophète le faisait, alayhi wa sallam. Ils ont été la voir. Umm Ayman était vieille. Quand ils arrivent à sa porte et qu'elle les voit, elle se met à pleurer. Alors Abu Bakr lui dit: ya Umm Ayman, tu sais très bien que ce qui est auprès d'Allah est meilleur pour son messager. Il pensait qu'elle pleurait à cause de la mort du prophète, alayhi wa sallam. Elle a répondu: je ne pleure pas parce que je ne sais pas que ce qui est auprès d'Allah est meilleur pour son messager. Je le sais très bien ça. Elle a dit: je pleure parce que la révélation qui venait du ciel sur nous, elle s'est interrompue. Il n'y a plus de Coran, c'est fini. Allah, il te parle. La parole d'Allah, elle a une saveur, elle a une douceur qui est incomparable. Si on avait fait descendre sur une montagne, elle se serait affaissée tellement elle aurait été pleine de recueillement et de dévotion, une montagne. Et toi qui es fait de chair et d'eau, et d'os, ça ne te fait rien. Les koufars de Quraysh, ils écoutaient le Coran, ils tremblaient. Comme Al-Walid ibn al-Mughira, qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui lire Surat Fussilat. Hamim tanzilun min ar-Rahman ar-Rahim. Jusqu'au verset où Allah dit: fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud. S'ils se détournent, dis-leur: je vous mets en garde contre un cataclysme comparable à celui qui a touché 'Ad et Thamud. Et là, le Walid, il sursaute et il met sa main dans la bouche du prophète. Il dit: par les liens de parenté qui nous lient, arrête-toi, arrête-toi. Et Jubayr ibn Mut'im ibn Adi, radiallahu anhu, il a dit une nuit: je n'étais pas encore musulman. J'étais dans l'esplanade de la Kaaba. Et j'entends une voix, je m'approche et je vois Muhammad, le prophète, en train de prier. Il lisait Surat At-Tur. والطور وكتاب مسطور في رق منشور. Jusqu'à ce qu'il arrive au verset où Allah Ta'ala il dit: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض الآيات. Jubayr, il est là en train d'écouter. Il a dit quoi? والحديث في الصحيح مسلم, il a dit: كاد قلبي أن يطير. Il a dit: mon cœur il a failli s'envoler. وَذَلِكَ أَوَّلَ مَا وَقَرَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي. Et c'était la première fois que la foi s'est installée dans mon cœur. Selon les divergences qu'il y a chez les historiens au sujet de la cause de la conversion de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il y en a qui disent, et c'est la version la plus célèbre, qu'il est rentré chez sa sœur Fatima, qui était avec son mari, et un autre, qui leur apprenait le Coran. Et on venait de l'informer qu'il s'était converti à l'islam. Alors il est venu, le troisième il s'est caché et il les a entendus lire le Coran. Il a frappé à la porte, il est rentré. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous disiez quoi? Il était énervé. Ils ont dit: calme-toi, on va t'expliquer. Non. Et il a frappé le mari de sa sœur. Sa sœur elle a essayé de le bloquer. Il l'a frappé aussi. Alors quand il l'a frappé, il l'a vu par terre. Parce que Omar c'était un homme d'honneur. Il ne frappe pas les femmes.
Il l'a vu par terre comme ça, il a dit oh, j'étais trop loin là. Alors, il a repris ses esprits, il lui a dit fais-moi voir ce que vous lisiez, fais-moi voir. Fatima lui a dit non, tu es un associateur, tu es impur. Il faut que tu te laves avant de pouvoir toucher le Coran. Alors, ils l'ont montré comment se laver, et après, ils l'ont ramené le parchemin, et c'était le début de Surat Taha. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى الآية. Il a lu ça. Il a dit, non, c'est pas les paroles d'un être humain ça. Ramenez-moi chez Mohammed. Ils l'ont ramené chez le prophète, عليه الصلاة والسلام, et c'est converti à l'islam. Et dans l'autre version qui est rapportée aussi, il a entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une nuit où il lisait le Coran devant la Kaaba, lire surat al-Haqqa. Il écoute surat al-Haqqa comme ça, il fait ah ouais, c'est vrai que c'est une parole étrange ça, que c'est pas une parole que tu as l'habitude d'entendre. Ça doit être la parole d'un devin. Et au même moment, le prophète arrive au verset wa ma huwa biqawli kahin qalilan ma tu'minun. Ce n'est pas la parole d'un devin, mais vous croyez très peu. Omar a dit ah bon, bah d'accord, bah c'est la parole d'un poète alors. Wala biqawli sha'ir. Ce n'est pas la parole d'un poète. Qalilan ma tadhakkarun. Et ça l'a fait réfléchir. Quelle que soit la version, quoi qu'il en soit, les hommes qui ont écouté le Coran et qui sont convertis comme si la foudre leur tombait dessus, c'est pas ça qui manque, wallah. C'est pas ça qui manque. Vous savez, juste, je finirai là-dessus. J'ai trouvé quatre hommes dans Sir Alam Nubala qui ont lu le Coran entièrement en une raka'a. Uthman ibn Affan, Saïd ibn Jubayr, Abu Hanifa et Al-Assal. Ces quatre-là, Al-Zahabi rapporte d'eux qu'ils ont lu le Coran entièrement en une raka'a. Il précise que c'est contraire à la sunna. Le prophète dit à sallallahu alayhi wa sallam qu'on ne doit pas lire le Coran en moins de trois jours. Mais il y a un khilaf au niveau de la compréhension de ce texte-là. Quoi qu'il en soit, je disais ça, je me disais... C'est comme Saïd ibn Jubayr. Pourquoi il a lu le Coran en une seule raka'a? En fait, il est rentré dans la Kaaba. Il est rentré dans la Kaaba, il est à l'intérieur comme ça, il dit, je suis dans la Kaaba. Il a dit, je vais faire raka'atayn, mais des raka'atayn bissah. Il a dit, Allahu Akbar. Il a lu la Fatiha, il a dit, je vais commencer le Baqara. Il commence. Alif lam mim, dhalika al-kitab la rayba fihi. Et il lit. Il finit le Baqara. Il continue. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Et il continue. Et il a fini. Il arrive à Nisa. Ya ayyuha an-nasu ittaqu rabbakum. Il a fini. Il arrive à Al-Ma'ida. Ya ayyuha alladhina amanu. Il a fini. Et il ne se sent pas. Il s'oublie. Et il arrive à la fin du Coran. Et dans la Kaaba. Et dans une version, on dit c'est la première fois de sa vie qu'il avait vu la Kaaba. Allahu Akbar. Aujourd'hui, tu ramènes les frères à Mecca, ils se plaignent de l'hôtel. Zahri, subhanallah, mon lit, il tremble là. J'ai vu un cafard dans la salle de bain, la chasse d'eau, elle marche pas. Allez, c'est bon, je veux revenir en France. Wallahi, il y a des frères qui demandent de revenir en France quand tu les emmènes à Mecca. Il n'est pas content, le matelas, il n'est pas assez dans l'hôpilo. Les salafs avant, ils venaient, ils voyaient la Kaaba, ils oubliaient Dunia, ils oubliaient tout. C'était eux et Allah Azza wa Jal, c'est tout. Disait que Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu, quand il priait, il restait tellement longtemps en recours et en soujoud que les colombes de la Mecque, elles croient que c'était quelque chose d'immobile à se poser sur lui. J'ai dit, c'est quoi ces hommes-là? C'est quoi ces gens? C'est quoi? C'est nous, c'est eux les... C'est eux les fous, c'est nous les fous, c'est... On connaît tous la réponse. C'est tous les gens bizarres, les gens pas normaux, c'est nous, c'est moi et vous. Non, bon français, c'est vous et moi. C'est eux les vrais, c'est eux qui ont compris. C'est eux qui ont ressenti cette saveur, halawatul iman, cette douceur. Je te ramène un plat. Je te dis quoi? Écoute, tu peux y goûter, mais tu peux prendre qu'une seule bouchée, c'est tout. Tu vas l'avaler direct ou bien tu vas la faire tourner et retourner dans ta bouche. Comme ils disent, tu vas savourer. Sahoulala. C'est le Coran, les frères. Il n'y a pas mieux que le Coran. C'est la parole d'Allah.
Il n'y a rien qui est au-dessus de la parole d'Allah. Il n'y a rien qui est meilleur que la parole d'Allah. Il n'y a rien qui est plus beau que la parole d'Allah. Il n'y a rien qui vaut la parole d'Allah. Il n'y a rien. Ça ne mérite pas qu'on lui donne de l'importance. Ça ne mérite pas qu'on le lise plus souvent. Ça ne mérite pas qu'on essaye de l'apprendre. Ça ne mérite pas qu'on arrête de parler, de dire n'importe quoi et qu'on passe plus de temps à réciter les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne mérite pas. C'est le ramadan, mes frères. C'est là, c'est bientôt. Les salafs, ils lisaient le Coran énormément pendant le mois du ramadan. Le Shafi, ils le lisaient 60 fois. Le Bukhari aussi. Ils passaient leur temps à le lire. 60 hizb le jour, 60 hizb la nuit. Ils passaient leur temps. En prière ou bien dans le Coran, dans le Mashaf. Ils passaient leur temps à faire ça. L'imam Malik, rahimahullah, il arrêtait de tahdith, il arrêtait de parler du hadith et il lisait le Coran. Ces gens-là, quand ils étaient vivants, la communauté islamique, c'était la plus forte sur terre, c'était les maîtres du monde. Et le jour où ils sont morts, comme Allah dit dans le Coran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ. Ils sont venus après eux une génération qui ont délaissé la prière et qui ont suivi leur passion. Alors Allah, il leur a enlevé ce que leurs prédécesseurs avaient mérité de par la sueur de leur front. Et comme nos fronts, ils sont propres et ils sont clairs et ils sont épargnés de toute goutte de sueur, on n'a rien fait, on ne mérite rien. نسأل الله تعالى أن يرحمنا أن يرحم ضعفنا كالله il nous fasse miséricorde, qu'il pardonne notre faiblesse et surtout qu'il purifie nos cœurs. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.